Bon, je vais quand même commencer à parler. Ça se trouve, il n'y a personne. En fait, je suis rentré de repas de Noël, ben, en décalé un peu. Il n'y avait pas de stream. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il y a d'autres gens comme moi qui n'ont pas de repas du midi. Parce que moi, j'ai fait du coup hier soir, le 24 soir, un repas. Et j'en ai un autre repas du coup ben, ce soir. Et ce midi, j'ai rien. Et je me dis que je dois pas être le seul. Alors pourquoi pas lancer un petit stream? Et salut! Salut Ariok, salut Vulture. Je viens là où? Il y a forcément des gens qui sont le midi tranquille à rien faire, hein. Donc autant lancer un stream. Et ouais, pour les gens aussi sur YouTube, hein, bah passez de très bonnes fêtes à vous, hein, ce serait. C'est la magie de Noël, c'est la joie, tout ça. Salut Lexa Wanda. Wanda, j'arrive pas à parler, parce que j'ai pas pris de café. En fait, j'ai plus de café, le rituel d'avant mes streams, et les magasins sont fermés. Du coup, j'ai le seum. J'ai le seum. Je vais me remplir ma bouteille d'eau d'abord. Et je vais revenir ce que j'aurais dû faire avant de lancer le stream. Excellent. T'as drop Molong, Charlotte, Brandia, Triton hier? Waouh, t'es chaud, Vulture. Tu m'étonnes que tu dois faire du XP. Tu m'étonnes. Niveau son, musique, tout ça, ça va? J'ai encore tout déréglé, je me demande est-ce que ça va? On a un GVG plutôt dur aujourd'hui. Enfin, les deux. Ce matin, on avait Requiem. Et cet après-midi, on a Aftermath EU. Genre, la journée de Noël qui fait pas de cadeaux. Super, quoi. Donc, on va aller les faire tranquillement, même s'il y a personne. Ah non, ça, c'est le siège. Et en GVG normal, on a donc. Salut, Apo! Et joyeux Noël à toi aussi. Salut, Saram, joyeux Noël. Salut, Jaf, joyeux Noël aussi. Et ouais, donc, on est pas très gâtés niveau combat de guild. Parce qu'on se tape genre deux grosses guildes. Ce qui n'est pas facile. Attends, je vais essayer de redresser ça. Yo game over, ça va ou quoi? Joyeux Noël à toi. On va essayer de gagner ces matchs là quand même. Déjà franchement ce matin contre Requiem on a gagné tout juste hein, je crois à 2% près. Salut Chinov Sierra, salut Beagle, joyeux Noël à vous. Et c'était très short, très short, très short. Joyeux Noël à 7 guests. Ah, j'arrive pas à dire ton nom. 7 Gex. J'ai un peu galéré. Faut vraiment que je m'hydrate la bouche. Et Chino Sierra, est-ce que j'ai dit Joyeux Noël? Cas où je te le redis. Alors, Aftermath, qu'est-ce qu'ils ont comme death pour avoir la gueule? Oh, j'aime pas cette défense de droite là. Je sais pas comment la passer elle. Comment la passer en vrai? Et Joyeux Noël toi aussi, Niamix. Flank, Joyeux Noël aussi. What's it been? Bah, tout pareil. Comment est-ce qu'on va passer ça? C'est un peu relou en fait, hein, comme défense. Pour la semaine de guild 2, tu vas prendre tout le live contre au courant. Comment ça, je vais prendre tout le live? Je comprends pas ta requête, Krisama. Il y a combien de vélins en tout? Peut-être que je demanderai à prendre un créneau de 4 heures, hein, s'il y a énormément de vélins sur vous. Que je fasse aussi du PVP parce que je vais pas faire que du PVE. Que du summon, je voulais dire, désolé. Donc alors en haut, on va faire ça. Et en bas, si on va. En fait, on va prendre mes teams bateaux qui marchent à 96, voire plus de pourcents que ça. On va prendre ça comme des débiles et puis ça devrait passer. Allez, ouais. Hey, salut Nissim, ça va ou quoi? Join de toi. Comme je disais, t'es arrivé après. Bah, il y avait forcément des gens comme moi qui n'avaient rien le midi. Alors j'ai dit, bon, bah, autant lancer un petit stream. Est-ce que j'ai une playlist particulière ou pas? Non, j'ai fait tout et sur mon PC en fait pour alléger ma connexion. C'est sérieux, est-ce qu'il va faire collapse écrite? Est-ce qu'il va faire collapse écrite sur mon Théo? Ou alors je cut? Non, bien sûr qu'il crit. De quoi est-ce que je parle? Putain, c'est un jour comme ça, c'est un jour où normalement tout passe bien et pas là. Et en gros, toutes les musiques sont sur mon PC et voilà. Par contre, j'aime pas cette musique là. J'aime bien celle d'avant, je vais la remettre d'ailleurs. Je suis un peu le mec relou qui remet les chansons en boucle. C'était celle-là?
Non. Merde, c'était la fin de la... Merde, tant pis. Bon, bah, je suis le meilleur DJ du monde. Vous êtes 6? Il y a combien de vélins, du coup, Chris, ça va? Environ. Soigne un peu. Mais j'ai fait genre j'étais malade parce que j'ai pas envie d'y aller. Lol, c'est quoi? Est-ce que c'était un truc chez la belle famille ou un truc comme ça? C'était quoi ton truc là? C'est louche ton affaire. Non, bon, ça va passer quand même. Proc un peu Théo là. Bon, tant pis. Et salut Destin, joyeux Noël à toi. Et bon repas du midi. Ouais, c'est le 2 janvier, ouais. Non! Oh, bah. Le truc, il a quand même réussi à crier 2 fois d'affilée sur du feu. Donc là, en fait, là, je suis pas très bien parti. Hein. Ben, en fait, j'ai perdu, en fait. Enfin, je vais faire un draw, je pense. Je pense que je vais viser le draw. Putain, quel con, ce Rakan. Je vois Niamix, ouais. C'était forcément un truc comme ça. Cette team, mais jamais elle perd contre cette team, enfin vous voyez, c'est pas possible. Bon bien sûr, si il continue à proc, qu'il met un break dev sur Annabelle et que l'autre fait collapse et qu'il crit, bah ouais je vais peut-être perdre en fait. Ah non c'est bon. Est-ce que je peux en remettre de tour? J'aurais essayé. En pire c'est quoi, on a toute la journée. Je vais voir si je peux pas faire un combo de slip sur Itesh à un moment ou un autre. Quand tu l'as commencé pour que ce soit au courant? Ah, bah s'il y a énormément de vélins. En général, les streams comme ça, je fais une heure environ, par trois quarts d'heure de PVP. Hey, merci pour le sub, Twanky. Et après, je pars en summon. Donc, c'est vers les 21h, un truc comme ça. Mais truc du genre, quoi, tu vois. Ça dépend de combien je vois de summon. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui voudront que j'invoque pour eux. En plus de vous, je veux dire. Salut, docteur Moi. Je vais nous à toi aussi. Et 50 Shades of Banana, tout pareil. Tout pareil, je suis en train de m'énerver en fait sur cette défense là que je ne passerai pas parce que j'ai pas eu de chance en fait. C'est pas normal, putain, j'ai pris un 7 pour Annabelle. Ah ouais, mais j'aimerais bien qu'elle fasse ça en fait, Annabelle, tu vois. J'aimerais bien qu'elle fasse un bon combo comme on connaît Annabelle. Allez, endors-le. Merci pour le sub, push aussi. Merci beaucoup à toi. On va soigner un peu. Peut-être que je devrais viser les crits sur Rakan en fait. Non, mauvaise idée. Mauvaise idée. Salut Alexis, 60, joyeux Noël à toi. Oh, je sens que ça va pas être faisable en fait. Allez, endors-le. Oh, endors-le. En vrai, c'est possible, hein. S'ils arrivent à l'endormir au moment opportun en fait. Pas 5 nat? Oh dommage. Dommage Yamix. Bon en vrai j'attends le draw en fait. On va pas passer tout le stream là dessus, c'est un peu chiant. Même si je pense que c'est possible de réussir. S'il y a un moment ou un autre je mets le break dev sur les tâches et que j'arrive à endormir. Salut, salut SW Samsam, joyeux Noël à toi. Ou alors je vise Rakan. Non mais quel con ce truc là. C'est vraiment un mob de mort. Hein. En gros je force Ritesh à se heal et pendant ce temps Rakan lui il reste un peu bas. Je pense que ça va être un truc comme ça que je vais faire. Ran aujourd'hui, c'est sympa en PV, en écrou elle est très très forte par exemple. Merci beaucoup Triplé. Joyeux Noël à toi. Et on tape tous des mains. Et je te remercie énormément. Même si j'ai pas articulé, je te remercie énormément. Putain, j'ai vraiment des problèmes à parler. En vrai, ça va passer, les gars. Il faut juste être un peu patient. J'ai pas trop envie de perdre parce que bon, la guilde, elle compte sur nous. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ça va être un jour où il y aura beaucoup d'abstentéisme. Donc voilà, voilà quoi. Autour de 750 VM. Pas mal. Ça sera une belle journée. Vous avez beaucoup de courage de me laisser autant de vélins par contre. Vous êtes très très courageux.
Bon, vous voulez faire quoi là? Non, je vais faire un draw, je crois, tant pis, hein. En vrai, ça m'a saoulé. Je vais faire le draw. Ça m'a saoulé. Et alors ça, c'est le vrai combat, en fait. Pour moi, je gagnais l'autre à 100%, et celui-là, je savais pas trop. Donc on va voir si j'ai eu raison. On va voir ça. Ah, il a oublié de vous inscrire en GVG? Bon, ça arrive, hein. En vrai, les fêtes, c'est normal. En vrai, je pense que je peux le passer, mais ça aurait pris toute l'après-midi, tu vois. Et puis bon, est-ce qu'on a envie de voir ça? Pas trop, tu vois. Stun-le, là. Bon, stun-le, lui. Ah, j'arriverai pas à mettre un break dev sur le Wadam. Oups. T'as eu T-Bay et Amarna, Gravius? Bah, joyeux Noël à toi, je pense que ça commence bien. GG. T'aurais pas laissé tes yeux au lit? Ah bah si, complètement. C'est Noël. J'avoue, oh, j'ai une gueule là. Faut que je fasse gaffe quand même. En fait, j'ai pas pris de café. Je suis arrivé en retard et je disais, ouais, j'ai pas eu droit à mon café parce que les magasins sont fermés, parce que c'est Noël. Et ça, c'est plutôt triste. Genre, rip le café, quoi. On va s'attaquer à lui maintenant là parce que j'ai pas envie qu'il reste toute la terre en fait, c'est pas trop mon kiff. Oh et bordel de merde. Je voulais pas qu'il fasse ça pourtant ça. Je suis un peu déçu du coup là. Merde, je sens que Perna va s'intercaler et va one shot le. Ah non c'est bon. Ça va qu'il est con Perna, putain. La licorne vent, tu la runes comment? Avec le plus de crit possible en fait, c'est le secret. J'ai mal joué, normalement je devais la transformer en poney, mais je l'ai pas fait parce que je suis à l'ouest. En gros, tu la mets idéalement en violent, honnêtement. Enfin, je trouve que c'est le set où elle est le plus forte. Il faut qu'elle ait quasiment sans crit. Parce qu'en fait, quand elle se transforme en. Merde, je suis con, elle a pas son sort de disponible. Oh là, tête dans le cul, les gars. Il faut que tu prends violent là. Oh shit! Est-ce que je peux le tuer là? Yes. Comme je disais, quand elle est en version humaine, enfin poney plutôt, enfin humaine oui, putain je suis dans le cul, hein, désolé les gars. Quand elle est en version poney, humaine, attends je confonds poney humaine, quand elle est en version en petite fille on va dire plutôt, bah elle est hyper fragile. Et en fait le truc c'est que tu fais le sort 2 et avec 100 crit elle repasse directement en version poney. Donc alors tu mets du violent, idéalement, 100% crit et après de l'HP. Voilà c'est... La mienne elle est en PV dégâts crit PV. Me tue pas mon poney vent, j'en ai besoin pour la suite des combats de guild. Non, 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 non. J'ai le seum. J'ai perdu un truc que je devais pas perdre et en plus j'ai perdu mon poney. J'ai globalement le seum là. Ah, j'ai globalement le seum. Mais ouais, bonne fête à toi, hein, Crédit Sama. T'inquiète, hein. J'ai eu chaud. Pas mal. C'est un bon monstre en vrai quand même chaud. Alors. Joyeux Noël à toi, Stratégus. Enfin, Straté OGS. Tiens, là dans les pierres entières, j'aimerais voir comment je la rune. En vrai, psycho-truc. psycho-truc. Psycho-néo. Tu la runes comme tu veux. Hein. Enfin, tant qu'elle est rapide et un peu tanky, ça peut être du dégât crit, ça peut être de l'attaque, ça peut être n'importe quoi. La main, elle est en speed quoi déjà? Tout ce qu'il faut, c'est qu'elle se passe pas one shot avant qu'elle joue. Moi, elle est en speed PV attaque, tu vois. Il faut qu'elle soit rapide, en fait. Elle peut être du dégât crit, mais il faut au moins qu'elle ait 20 000 HP. Hein. Une Tiana qui a pas 20 000 HP, je trouve que ça peut se faire sniper, en fait. Par un Perna, par exemple. Ça, c'est un peu pénible. Salut, c'est Juro. Et joyeux Noël à toi aussi. J'ai vu le message de Razios. Non, c'est quoi le message de Razios? Je vais remonter le chat. Razios. C'était quand? Je vais faire CTRL F Razios, tu vois. Razios. Non, j'ai pas vu de message Razios, il y en a pas dans le chat là. Ouais, ça a mis sa max, bien sûr, hein, je peux faire ta summon dans un mois. Pas de soucis.
Des semaines d'aujourd'hui? Non, c'est pas prévu. C'est pas prévu. Putain, par contre, je devais pas perdre. Ah, j'ai perdu mon poney vent et Théo. Deux unités un peu cœur de mes offenses GVG. Salut Miaou! Sur Twitter? Ah non, j'ai pas vu. C'est un message privé? Je t'avoue que je suis pas allé voir aujourd'hui. Ou hier même. Peut-être même avant-hier, ouais. Voyons voir, qu'est-ce qu'on peut faire là? Ah, qu'est-ce que je fais là? C'est des vraies défenses, tu vas pas aller les trolls là. Ah, par contre, j'ai perdu Théo et. Ce truc là. Joséphine, je sais pas ce que j'en ferai honnêtement. Pour moi, ce serait juste un monstre pour de la RTA. Certainement speed, PVPV, tu vois, un truc comme ça. En violant Will. Enfin, un truc bateau, je pense. J'aurais fait ça, je pense. Tu sors comment ton deuxième la 5-note LD? Bah, j'ai eu un proc LD avec le truc de l'event. Trop de chance. J'ai eu le Chevalier de la Mort Light HOH. J'étais trop refait. C'était la joie. Bon, en vrai, ça se gère facilement, ça en bas. On met de l'IMU et un truc qui tape et c'est bon. Qu'est-ce qui tape? Ça tape ça? Est-ce que vous pensez que ça passe? Ouais, ça passe. Morandia, c'est bien pour du raid. Et même pour du PVP en vrai, c'est un très très bon nuker feu quoi. Ah ok, bah j'ai pas vu Ayasi, non j'ai pas vu. Je lui répondrai plus tard. Ouais. Bon alors, on va voir, qu'est-ce qu'on fait en haut. Est-ce que c'est ambitieux de faire ça? Parce qu'en vrai, le Feng Yang peut solo. Est-ce que c'est ambitieux? Vous pensez que c'est ambitieux ou pas? En vrai, il peut vraiment solo. C'est pas la vraie vie de faire ça. C'est ballsy, hein, parce qu'en plus, imaginons que je rate le crit, le break death avec Galéon sur Feng Yang. Certain, il me solo. C'est certain. C'est vraiment certain. Qu'est-ce que je voudrais comme deuxième 5-note LD? Mais en vrai, tu vois, la Sky Dancer Light pour faire le duo, ça serait cool. Sympa, je les jouerais pas ensemble, mais ça serait beau. Après, sinon, un Panda Light. Et après, sinon, Jenna. Non, Jenna. Ouais, fin d'histoire, je veux Jenna. Bon, allez, je le fais. Ça va passer. Ça va passer. C'est une belle journée aujourd'hui. Il fait beau, c'est Noël. Ça passe. Facile, ça. Vous allez voir. Parce que Galéon, il va mettre le break def sur tout le monde. Ce qui va mettre bien. Enfin, au moins sur Parna et sur Feng Yang. Vous allez voir, c'est la magie de Noël. Putain. Quel con. Putain. Bon, bah là, j'ai perdu. Il aurait mis sur Feng Yang, j'aurais gagné. Bon. ...27 000 PV, bon bah je tuerai même pas Perna. Proc pas. Bon merci. Ouais, la magie de Noël c'est vraiment de la merde Noël, franchement. Alors là il faut que Tiana tu fasses le break def. Ouais, j'y ai cru putain. En plus il est hyper squishy le Feng Yang, vous avez vu? Elle a à peine touché, même pas crit, ça lui enlevait genre tout ça de sa vie quoi. Ce dossier quoi. Il faut qu'il proc encore. Yes. Je suis trop content. Genre. Ah, ça me saoule. Fais ton truc et proc pas. Ah, mais non, Galéon, faut que tu proc. Galéon, il faut que tu proc maintenant. Quel gros con. Break def? Ouais. Non, il fallait taper sur l'autre. Elle avait pas de break def, elle fallait taper sur Feng. Sur... Ah, si, elle avait un break def, je suis un con. Bon, bah, nick. Ouais, j'avoue que la magie Noël en fait c'était vraiment de la merde. Bon, en vrai, on va quand même gagner parce que ma guilde va me carry. Mais pas ouf quoi. J'aurais dû taper sur la nana au centre en fait plutôt. Ouais. Mais Nick? Bon, je perds mon Feng Yang, mais je pense quand même que Laika contre... Laika plus... elle. Comment ça s'appelle? Amelia? Quand même, il devrait gagner contre cette nana, quand même, non?
Un peu de respect quand même pour Laika. Ouais, c'est bon, tous les jours il gagne. Je sais pas, tous les jours, je suis pas sûr en fait. Stun! Yes. Stun! Fuck. Putain, si Laika perd, j'ai un seum. Hein. Ça veut vraiment dire que c'est de la merde hein, s'il perd. Hein. Pas sûr qu'on gagne, mais si, il y a plein de recrues, bien sûr. La guilde Vakari. Reste calme, gros. Oh, bah en fait, Laika, c'est vraiment daubé. Hein. Ça pue de la merde. Ça pue. Mais alors, mais complet, hein, les gars. Il arrive même pas à solo un Kmoun, quoi. Vous êtes sérieux? Salut, Nexermes. Vas-y, je vais foutre mon compte. Bon, désolé, la guilde. J'ai perdu une offense. C'est pas terrible. Alors que j'aurais pu quand même assurer une win, quand même. Enfin, même deux wins. Je suis plutôt le loser, là. Ça passe. En vrai, ça passe. Je sais que vous allez dire, Bolzi, non, ça passe. Certains, ça passe. Quoique c'est pas sûr en fait. Non, arrête tes conneries, t'as déjà perdu deux fois. On va voir Thunderdy. On va aller faire le vrai snipe. C'est pas ici qu'on fait, c'est là. Arène, info, classement. Thunderdy, où est-ce que t'es enculé? Thunderdy. Alors, où est-ce que t'es? Je vais te trouver. Mince, j'ai scroll un moment sans regarder, je regardais mon PC à la place. Ça se trouve je l'ai passé et vous avez dit putain mais qu'est-ce qu'il est con, pourquoi il a passé là? Thunderdy. Ou alors c'était le classement de la semaine dernière en fait et je crois qu'il est G2 alors qu'il est pas G2 en fait. Mais y'a personne qui est G2, c'était le reset, c'est con quoi. Exactement, Thunderdy là il est C2, oui je suis complètement débile. Bon. J'ai pas où ça, j'ai pas mon poney, non, j'ai plus rien en fait dans mes teams toutes faites là. Il faut que je bricole un truc. Il faut que je bricole un truc qui marche. En vrai, en GVG, je fais juste 2 ou 3 teams max d'habitude en fait. J'ai vraiment que 2 ou 3 teams et je réfléchis même plus en fait. Elles passent tout le temps, sauf aujourd'hui. Génial, vive la vie. Je stream tous les mardis, ouais, Wissam. Je vais pas rater de stream, je crois, pendant les fêtes. Parce que ça tombe pas le lendemain d'une soirée particulière, tu vois. Donc c'est cool. Le nouvel an, c'est quand? C'est quoi dans la semaine, hein, le nouvel an en fait? J'ai dit ça en fait, j'en ai aucune idée. Calendrier. Le premier, ça tombe. Un lundi. Ah, je suis vraiment mais on point. Putain, je suis trop. Ouais, ok, donc c'est le lendemain du nouvel an. Ouais, je vais stream quand même. Je vais quand même stream. Ouais mais pour moi vu que Noël c'était bon t'as compris. Un dimanche et pas un lundi. Salut Seb0. En bas qu'est-ce qui passerait sérieusement en bas? Qu'est-ce qui passerait en bas sérieusement? J'ai plein de monstres, hein, vous devez vous dire, mais il est complètement con, il a un milliard de monstres, mais il les joue pas. J'ai Vérad. Bon, contre Ritesh, il va se faire défoncer. Salut, j'ai Reno. Ça passe en bas avec Crème. Ah, mon test, est-ce qu'il est ruiné? Non. Mettre un Avel, parce que c'est la valeur sûre. Et maintenant il faut des trucs qui soient encore plus sûrs qu'un Avel parce que toute seule elle va pas faire grand chose. En vrai les gars, il met ses Tick Hopper, bam, je sors Ritesh. Et après je fais du... Ça devrait passer comme ça non? Je sors Ritesh et ah, après j'ai pas de lead def, du coup ça se trouve le Ritesh va rester en vie. Pour peu qu'il y ait un set shield et qu'il ait plus de 50k HP in-game, ah c'est possible que je tue pas le Ritesh en fait. J'ai pas mon Fengang en vie. Ça aurait été trop beau. On va la tenter, les gars. On va la tenter. Et on va prier très fort pour que lui, il ait pas 50k HP plus que ça, en fait. En plus, After Masu, c'est pas une guilde forte. Voilà. Je sais qu'il y a le lead PV, hein. Je sais qu'il y a le lead PV plus les bâtiments et tout. Donc, c'est très possible qu'il ait plus de 50k 1000. Mais bon.
Prends Feng Yang 2. Non, Feng Yang numéro 2, en fait, il est pas skill up et il est pas entièrement ruiné. Et il pue la merde. Vous voyez, je vous avais dit que ça allait passer crème. Hop, break def. Bah, je suis con, break def ça sert à rien parce que ça l'enlève en fait. Parce que c'est un mob de merde. Hop. Stun. Stun ou slow? Stun. Excellent. Hop. Alors. Bon, il n'y a pas de shield en moins, donc déjà, c'est pas trop dégueulasse. J'ai pas d'elfois, si, mais allez, ça passe. Allez, allez, ça passe. Pas du tout, il lui reste au moins 15 000 PV. genre, vraiment. Est-ce que vous pensez, qu'est-ce qu'il va faire à votre avis? Le break def ou le heal? Ou les deux, hein, en fait, il va peut-être faire les deux, en fait. Il va faire le break def plus le heal. Mais je vais garder le cleanse pour quand il aura fait le break def, en fait. T'as pas le lien pour l'Amazon Coin? Si, si, carrément. Putain, quel con, il a pas fait le break def, quel con. Du coup, je suis obligé de me soigner maintenant. Ouais, je suis obligé de me soigner maintenant. Et laisser le break def. À moins qu'Annabelle fasse la magie. Oh, mais la magie Noël, elle est pas là, je me fais résister le slip, quoi. What the fuck? What the fuck? Allez, endors-le là. Merci. C'est bien ça. Et alors, Changi, en fait, dans toutes les descriptions vidéo YouTube de ma chaîne, il y a le lien. En fait, il est en train de taper très fort. En fait, il a un buff speed. Donc, il va HV ma navelle. En fait, il va l'HV ma navelle là. Vous feriez quoi? Est-ce que vous feriez le sort 1 en espérant qu'Anavel proc abale en fait sur Parna? Ou est-ce que vous ferez le break def? Bon, autant faire le sort 1 en fait. Il faut que tu le refasses, Anavel là. Anavel, il faut que tu proc. Il faut que tu proc. Yes. Yes. Bon, en vrai, c'est toujours pas gagné. Hein. Mais c'est pas forcément mal parti. Allez, go. Maintenant, je vais faire le break def. Un slow sur le truc? Non. Allez, endors-le. Endors-le. Merci. Tue-le. Remets un break def. Proc violent. Non, elle a pas fait. Elle a pas fait. C'est pas grave. On lui en veut pas, Annabelle, parce que c'est quand même un bon monstre. Hein. C'est totalement elle qui carry le truc, en fait, là. Elle, toute seule. Je vais garder pour le cleanse. Oui, c'est bien ça. On met ça pour HV le truc. Hop, et ça passe. En vrai, c'est tout à fait Annabelle qui a carry ce GVG. Enfin, cette offense plutôt. C'est pas des masses Evangeline, non. Après, y'a pas de lead def. Mais en fait, si je tape aussi peu fort, enfin, entre guillemets, avec mon Copper, c'est que mes bâtiments, je les ai totalement négligés et je vais continuer à les négliger parce que ça me saoule en fait. J'aime pas les transmodes pour Annabelle, je les trouve toutes pourries. Vraiment, honnêtement, je les trouve vraiment moisies en fait. Je préfère celle de base en fait. Et joyeux Noël à Yété. Oui, non, mon Lucien n'est pas en despair triplé. Où est-ce qu'on en est là? Où est-ce qu'on en est? On est contre Initial D, Jol 6. Je crois que Jol 6 est totalement pas disponible en fait. Parce que si on regarde en. Pas ici, je suis con. Info, défense. Il y a que les rouges qui nous ont attaqué à droite là. Et les bases rouges ont pas été touchées une seule fois en fait. Donc ce qui veut dire que simplement il joue pas en fait. Petite PLS de mana. Ouais carrément, ouais, toujours. Ça c'est toujours ça, j'ai combien de mana là? J'ai au moins 15 000. Ah 97 000 en vrai c'est pas mal. Dans un bon jour là. Verra dans DB10 ou Spectra, je vous redis Spectra tu vois. Enfin après peut-être je peux me tromper hein. Mais je redis Spectra parce que les dégâts sur Max HP ça fait plus de dégâts tu vois. Que Verra au boss. Voilà c'est mon avis. Et le slow sur les tours en fait. Qu'est-ce qui se passe ici là? Bon il s'en sort.
Qu'est-ce que je peux taper moi? Je crois qu'ils sont en train de taper du coup la 10 rouge là. Et il est en train de taper ça lui. Moi j'ai fait un peu de la merde pour l'instant. Enfin j'ai fait... Ah non en vrai ça va. J'ai perdu une offense comme un con. Mais j'ai fait 4 offenses réussies avec 13 monstres. Putain en fait il fait super sombre. Vous voyez pas ma gueule en fait. C'est pas mieux. C'est un peu mieux on va dire. J'ai m'éclairé ma gueule. Ah c'est mieux comme ça. J'ai fait 4 offenses réussies avec 13 monstres. Parce que j'ai fait du 2v3. Merci Nalo Couvert. Merci beaucoup. Joyeux Noël à toi. Et maintenant qu'est-ce que je peux taper là? Je vais peut-être taper un peu quand même vu qu'on est en stream. Mais on peut rien taper en fait, on peut juste taper celle-là. Et celle-là, les deux là. On tempo après la 10 rouge? Bon ben je ferai pas du tout les gars. Voilà, c'est, je vous ai montré la carte du coup en occupation. Et on ne tient plus rien, voilà c'est comme ça. On temporise maintenant. Alors je vais faire mes ailes d'arène, c'est du bon contenu ça. Du bon rival. C'est vrai que je suis habitué à stream la nuit, du coup l'éclairage j'ai pas adapté en fait dans cette pièce. Salut Spit. Et quel transmo tu préfères? Les reines polaires ou les flamenco, les sky dancers flamenco. Je trouve les deux hyper belles. Oh fuck. Les cartes cœur sont pas passées, super. J'ai pas le son vraiment fort là, j'ai pas de casque en fait, j'ai le son qui sort sur mes enceintes de PC. Et je me rends pas compte de ce que vraiment il se passe malheureusement si sur le son. T'as eu la fibre? Ben, elle est arrivée dans l'immeuble et je peux souscrire à la fibre le 29 décembre de ce mois. Bon ce qui me saoule c'est que je vais peut-être pas le faire directement. Parce que je vais avoir des frais de résiliation sur mon autre truc, plus des frais d'installation et tout. Ça me fait quand même pas mal de frais, plus les frais de fin d'année, c'est un peu chaud. Donc peut-être que j'aurai pas les moyens de le prendre direct. Mais en tout cas, c'est un projet. C'est un projet, j'aurai la fibre dans peut-être un mois, tu vois, max. Ça fera plaisir. Ça fera vraiment plaisir. Ouais, ta d'habitation elle m'a douillé. En fait, ils ont inventé Noël pour faire passer la pilule en fait du viens, on te taxe à balle le mois de décembre, comme ça après t'as des cadeaux, c'est bon, t'oublies. T'oublies que ta vie c'est de la merde, tu vois. Ouais. J'ai dit le 29 décembre ce mois, putain, je suis vraiment plutôt au point sur les dates. Ouais mais par contre là c'est sûr Sadou. A l'époque c'était l'opérateur qui disait genre oh elle arrivera bientôt la fibre. Mais là il y a même un mot en bas de mon immeuble et tout genre orange et pas assez installé la fibre et tout. Genre c'est la folie mec. Y'a pas mal dans les pierres dans 3 semaines? Sérieux? J'ai même pas regardé ce qu'il y a dans les pierres, c'est vrai qu'on est lundi, j'ai rien regardé du tout. Voyons voir. J'ai ouvert toutes mes pierres de GBG de la semaine dernière, parce qu'en fait dans les pierres y'avait rien qui me plaisait pendant 3 semaines. J'ai ouvert en espérant avoir un deuxième Tiana. Bon, j'ai rien eu. J'avoue qu'il y a Psamat. Oh, mais il y a à côté, il y a Bastet et Pombek. Mais je vais quand même essayer d'avoir Psamat. Ouais, ouais je pense quand même. Parce qu'entre temps, ben là, cette semaine, Zairos et Téchar, ça me fait ni chaud ni froid. Shiwu, Xingze, je les ai déjà. Camille, je m'en fous un peu. Dans 2 semaines, c'est Vérad. Villageuel et Lagmaron, j'ai les 3 sauf Villageuel et j'ai déjà Oussa amélioré en immunité donc c'est pas si bloquant. Et bah dans 3 semaines il y a Psamat quoi. En fait ouais, il faut que je vise Psamat dans 3 semaines, faut que j'économise les pierres. Bon bah Grégaire faut qu'on fasse G3 toutes les semaines, ok? C'est let's go. La semaine dernière on a fait un bon score quand même, je crois qu'on a fait on a fait un historique 25ème, ce qui est pas dégueulasse. Pour notre niveau c'est cool. Ah j'ai confondu 5 mètres et Bassett, ouais désolé mais dans ma tête c'était 5 mètres. Dans ma tête, c'était Zekmet. Je vais faire un peu d'Erta parce que j'ai joué. J'ai des rangs, comme de toute façon, je m'en fous, j'ai pas de Camille. Donc, on va faire un peu d'Erta. L'Erta de Noël. Et on va juste faire du cleave parce que j'ai pas que ça à foutre. Licorne de feu et palin d'un vent. Les deux sont pas si ouf. J'ai pas envie de te casser tes rêves, tu vois, mais je les trouve les deux un peu décevants.
Enfin, pas. Enfin, moi j'ai la paladin avant, tu vois. Et je sais que je la jouerai pas tout de suite. Licorne de feu, ça peut être bien en vrai. Honnêtement, ça peut être bien. J'ai vu un replay d'un mec qui l'a joué, c'était pas dégueu. Il faut la jouer un peu comme l'avant. À 100 taux crit en fait. Et espérer que ça passe. Du coup, là, je suis pas très bien. S'il me kick Pumbek ou s'il me kick Pumbek, en fait, je suis pas bien du tout. Je vais kick ça par contre. Ça va, il a laissé Pumbek. Et ouais, Herbacha, c'est vrai, maintenant tu vas nous carry. Hein. C'est toi qui va être l'élément déclencheur de notre réussite. On est juste pour le VT ou vaut mieux pas forcer le VT? Attends, alors, si on est juste pour le VT, vaut mieux pas forcer. En vrai, Speed, je trouve que c'est le 50 le mieux des deux. Hein. Honnêtement. Est-ce qu'il va réussir à me strip Pumbek? Quel enculé. Après, la bombe, ça se trouve, elle tuera pas. Il y a bien ce que je pensais. Est-ce qu'il va proc? Non, c'est bon, ok. En vrai, j'ai 2 set shield sur Tiana et sur Bastet. Donc en vrai, faut y aller pour me tuer Pumbek à travers le shield. Ok, qui je vise le kill? Qui je vise? Qui est le plus tanky en def? Certainement Ganymede, donc vaut mieux taper sur sur Ciara. Et c'était le bon call. C'était la bonne stratégie. Ouais, après le truc c'est que le VT c'est un 5-9 garantie. Mais oh, le G1 il a beaucoup monté. Un garantie, mais tu peux voir en doublon. Ça dépend en fait si t'as beaucoup de 5-9 ou pas en fait. La personne qui a posé la question sur le VT ou le petit pack. Ça dépend de ça en fait. En vrai, vu que là j'aurai pas forcément le temps de jouer demain et tout ça, je sens que je vais juste. Putain, j'aime pas trop ça là. Parce que c'est un peu anti-Lucien ces trucs là. C'est un peu anti-Lucien ça. Donc je disais, j'aurai pas forcément le temps de jouer dans les jours qui arrivent. Donc si j'arrive au. Merde, j'ai un peu perdu en fait là. Excusez-moi, là je réfléchis. Si j'arrive à 1900 et quelques, j'arrêterai de faire de l'RT. Faut qu'il me laisse Orion et Tiana en fait. Si peut kick Bastet, ce serait le bon bail. Moi je vais kicker ça et espérer de plus. Non, je vais kicker le lead speed en fait. Ah, il a 2 lead speed, ça sert à rien, autant kick ça alors. Ok, il me kick ça. Il faut que ma Tiana soit plus rapide que le Charlotte. On va voir. Est-ce que ma Tiana est plus rapide que Charlotte? C'est pas sûr, vu qu'il y a un lead speed, c'est pas sûr du tout. Pas du tout. Je pense pas du tout en fait. Et fuck! J'ai perdu du cul. On va quand même essayer de jouer hein. S'il me stun Tiana maintenant. Il le fait pas tiens. Pourquoi? J'ai pas compris son choix là. Non, me stun pas. Non. En vrai c'est pas perdu là si je réussis le break dev sur tout le monde. Allez, go. Nice. C'est génial. C'est génial. J'adore Cleave les gens. C'est trop jouissif. Ils commencent bien, ils gagnent et tout. Et puis d'un coup ils ont perdu. Alors, allez, on va continuer. Ah, il part en bruiser de ouf. Eh, salut, joyeux Noël à toi, Kizgizmo. Est-ce que je continue en Pumbek et tout? En fait, ce qui est chiant, c'est qu'il y a Vérad qui a beaucoup de def et Camille qui aussi. Bah, alors, son passif qui fait que. Si je tape dessus Pumbek, les dégâts seront divisés par deux en fait. Bon, je vais quand même continuer avec Pumbek, ok? Parce que ça a marché pour l'instant, allez hop. Allez, bah bon repas de Noël, les Rochas. Le speed, ouais, le sort 2, t'as plus fort que le sort 3 en fait. Le sort 2 dépend de l'attaque et aussi de la speed adverse. Et du coup, vu que tous les monstres en face étaient rapides, eh ben le sort 2 allait forcément faire beaucoup de dégâts en fait. Et en fait, quand t'as l'occasion de faire juste un seul truc, c'est le sort 2. C'est lui, Kazoo. J'ai pas vu en fait. Joyeux Noël et GG le Vérad, merci d'être là pour me soutenir cette triste journée, semaine ratée. Bah bon courage à toi, Kazoo. Et joyeux Noël à toi.
J'ai pas vu ton message avant tout. Je vais kicker ça et on va partir. Est-ce qu'il va me laisser encore Alicia? Je pense qu'il va kick Alicia maintenant. Je pense qu'il est pas con. Il va kick Alicia parce que Alicia ça comptait un peu garrot et j'ai perdu en fait. Malheureusement j'ai un peu perdu là. Et oui, il a kick Alicia. Parce que là en fait il va falloir que Pumbek crit sur le singe-feu. Je vais faire ça en fait. Je vais viser le crit sur le singe-feu. Mais il peut glance. Donc ça va dépendre de ça en fait. Et salut Strange Max, joignons à toi. Alors, est-ce que je vais réussir à crit sur l'élément opposé? Est-ce que Pungbek, tu pourrais pas être un perna aujourd'hui? Est-ce que tu pourrais pas dire, bon, ben, je m'en fous de l'élément? C'est pas mon problème, moi. Allez, fais-le! Pungbek, on compte sur toi, go! Pourquoi il fait pas ça comme un perna? J'ai le seum. J'ai le seum. Ouais, je suis G1, mais je veux. En fait, les derniers jours, ça monte beaucoup les trucs de RTA. Donc, je veux être vers 1900, 1910, un truc comme ça, tu vois. Histoire d'être tranquille. Bon, il est trop nul ce Pungbek là. Je vais le ranger. Oh, il part en bruiser salement, lui. Mais je m'en fous. J'ai pas envie de faire autre chose que du cleave, en fait. Il va mettre un truc genre... Ah, c'est pas tant bruiser que ça pour l'instant en tout cas. Est-ce qu'il va mettre Lucien? C'est un peu bruiser quand même. S'il y a, quand même, il y a Diana et Perna, c'est un peu bruiser du coup. C'est un peu risqué de laisser Frégate. Parce que si Frégate passe Diana plus Théo, ça va tuer Lucien. Allez, on s'en fout, on refait ça. Alicia, ça counter Perna. Pungbek, ça counter Théo. Et j'ai juste kick. J'ai juste kick Frégate là pour l'instant. Ah, je kick Frégate pour l'instant. Mais ça se trouve, la Sekhmet est plus rapide que Tiamat. Mince, en vrai là, je fais des mauvais picks, Ben. Je reste sur ma stratégie de cleave parce que c'est rigolo en stream. Mais là, si Sekhmet est plus rapide que Tiamat. Enfin, s'il me laisse Tiamat déjà. Ouais, si ça. Sekhmet est plus rapide que Matiana, j'ai perdu. Donc ça va dépendre de ça en fait. Et c'est possible hein, parce que ça se trouve en Swift. Moi elle est en double shield wheel. Après Matiana peut résister. Je mets crit ou je mets. Ouais, je mets que j'attaque. Rune de Alicia, est-ce que t'as le temps de les voir là? Est-ce que t'as le temps? Très vite fait, t'as vu. Très vite fait, mes runes de Alicia. Et salut Mangaka, joyeux Noël. J'ai pas vu le chat, désolé. Et joyeux Noël à toi aussi, Zariel. Pourquoi tu sors pas ton speed Lucien au lieu de Pungbek dans tes compos? Parce que c'est ce que je fais, d'habitude je vais jouer Lucien et Pungbek. Mais là tout à l'heure j'ai essayé, ça a bien marché. Résiste, Tiana, résiste. Tiana, résiste. Résiste. Ou alors est-ce qu'à faire sur Pungbek? Sur qui va le faire à votre avis? Sur Tiana, résiste. 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 Excellent. C'est du bon jeu ça. Par contre, est-ce que je vise. En fait là je suis obligé de faire le sort 2. Ce qui va faire que Diana va cut malheureusement. Mais il me faut le break death sur tout le monde. Ah elle est stun, oh la chatte. J'ai fait 3 stuns avec Orion. Putain je suis dans le futur les gars. Est-ce que je peux peut-être. Par contre j'ai pas tué Perna ouais. Mettre un. L'anti-buff c'est pas mal. Comme ça y a pas le shield qui va se poser sur sur Théo. Au pire est-ce qu'il va mourir même? Yes, pas dégueu ça. En vrai, je suis plutôt pas mal là. Je suis plutôt pas mal parce que hop, je vais stun Diana parce que je suis trop cool comme mec. Pas du tout, je stun Perna. Bon, c'est quand même pas dégueu non plus. Hop. Est-ce que maintenant je peux faire des gros dégâts sur elle et tuer Sekhmet? Ouais, c'est plutôt pas dégueu. En plus, il y a l'anti-heal donc 3 tours. Donc ça, c'est bon. En vrai, j'ai gagné. En vrai, j'ai gagné là. Stun. Dommage. C'est passé. Hein. J'ai pas le temps de voir, il me semble que ton soir est en privé. Ah, j'ai mis en privé. J'ai pas déenlevé le privé. Parce que je l'ai mis en privé pendant les combats d'occupation de la semaine dernière. Mais je pense que je l'ai enlevé le privé, non? Je vais aller voir, tu me poses un doute. Soir farm.
mon profil de chez Zou, je vais regarder. Salut Ragnar, ça va quoi? Joyeux Noël à toi. Voyons voir. Ah oui, non, il est visible, hein. Mon sponsor est visible actuellement. Ce qui n'est pas une bonne idée. Désolé, je vais mettre en privé parce qu'on joue des guildes francophones. Et vu que je suis en def, ils peuvent aller voir mon sword farm et voir mes runes. Désolé les gens, il n'y aura pas de sword farm pendant les prochains jours là. Ouais ouais, mais là je le mets en privé du coup là. Bon, il faudrait quand même que je gagne. Ah, ça part vraiment. Ça... Quand ça part en feignant premier pick, tu sais que le mec il veut pas. Il veut pas se faire cleave en fait. Ah, et là en plus. Bon, on s'en fout. Je mettrai pour mec Lucien. J'espère juste qu'il met pas des trucs feu en fait là. Ok, il part vraiment en sale bruiser le mec. Salut Nominokishi, salut, ça va? J'ai parlé tellement vite. Salut Nominokishi, ça va? Malicia elle est comme ça. C'est pas très cool sa compo là. Et je vais prendre mon gros Lucien qui est pas speed tune en espérant qu'il me laisse Lucien. Et Pumbek. Non, qui kick lui Pumbek en fait. J'espère qu'il va faire ça en fait. Et qu'il se dise ah tiens, je peux survivre à Lucien et je kickerai Vérad. Ou alors il met genre Kmoun, Perna, Rakan là. En mode gros bruiser tel qu'il est là. Je pense qu'il va faire ça. Ariel. Ah le mec il est relou. Il est une reloutance là le mec là. D'un autre côté il a raison. Je vais enlever Diana je crois. Ou le break def. Je vais enlever le break def et qu'il me laisse Lucien. Please, laisse-moi Lucien. Laisse-moi Lucien. Allez, et laisse-moi Bastet Lucien. Kick Tiana ou Pumbek. Fais-le. Do it. Fuck. En vrai, non, c'est pas mal en fait. Parce qu'en gros, là, je tue Diana. Et après, il y aura que Vérad. En vrai, je pense que je suis pas mal là en fait. Là. Je tue Diana tour 1 avec Pumbek. Et après, il restera que deux gros heals. Et Vérad, vu que j'aurai Orion pour mettre des stuns, je pense que je suis pas mal. Vous allez voir, peut-être même que je vais tuer Vérad tour 1 là. C'est possible. Alors, est-ce que Vérad, ça suffit pour te tuer? Non, ça suffit pas. Bon, je vais devoir attendre un peu. Mais merci pour le sub, Yipsy. Mets un anti sur Vérad. Fais-le. Yes, elle a mis les 3 debuffs. C'est merveilleux ce qui se passe. Genre, elle me stun mon comeback. Pour qui tu te prends, ouais. Et merci, Wardocon, pour le sub. Allez, moi, stun-moi, je sais pas, n'importe qui. En vrai, j'ai gagné. En vrai, c'est pas mal. Hop. Allez, encore un autre. Non, non. Dommage. Je sais pas ce qu'il espère. Je sais pas ce qu'il espère vraiment le mec là. Genre Orion t'as rien mis, t'es sérieux? Orion il a 80% de précision et il rate tous les debuffs là. Ce dossier. Stun là. Oh t'es nul. Mais lui un anti-buff là.
Bon, peut-être qu'il l'a pris dans la gueule, là, il était pas prêt. Hein. On est contre qui en siège? On est contre Jol 6 et Initial D. C'est un truc full Guild FR là. Voilà encore quelques-unes. Ah, je peux prendre les pierres de skin. 87, ok. Donc dans pas trop longtemps, je pourrais prendre un autre skin. Ce qui est pas dégueu. Je pense que le prochain skin que je prends, c'est... Je sais pas en fait. Je sais pas du tout en fait. Ah, il y a un prix de Tiana. Ah non, ah non, ah non, ah non. Ah non, j'ai pas prévu ça. Enlève Tiana. Enlève-la, enlève-la. Et on a gagné Med. Oh, il a mis Tiana. Oh, il a mis Tiana. Merde, j'ai pas prévu ça en fait, les gars. Qu'est-ce que je fais quand on prend Tiana? J'ai une idée. J'ai réellement une idée, les gars, ok? En fait, là, je vais enlever un wheel avec Orion, mettre un break def avec Pungbek, non, avec Galéon, et Pungbek, t'apprends sur cette personne-là, en fait. Et un dernier pic, je vais mettre Lucien. Mon gros Lucien. Je vais prendre celui-là. Ok, je kick Tiana parce que sinon elle va cut. Elle va jouer en premier en fait, surtout. Il kick Orion. Ok. Je sais pas quoi en penser de ça par contre. Merde, ça marche pas. Merde, ça marche pas, les gars. Parce que mon deuxième Lucian, enfin mon Lucian là, il est pas speedtun. Et du coup, son mot long et son smash vont jouer avant. Et du coup, mon Lucian sera totalement stun en fait. Et il reset. Merde, j'ai perdu. Mot long va jouer avant. Et si, en fait, ouais, t'as raison aussi. Mot long va jouer avant en fait. J'avais espoir en fait qu'il me laisse. Tiana. Non, pas Tiana, qui me laisse Orion. Fais le sort 2, t'en as besoin. Voilà, il savait qu'il en avait besoin. Je crois que Lucien a résiste. Les gars, je crois que Lucien a résiste le truc là. Ouais, j'ai vu ça. est-ce que quelqu'un va jouer avant que Feng Yang joue là? Oh shit. Oh shit. Est-ce que tu peux jouer Feng Yang? Allez, tue-le. Yes. Ça devrait passer du coup. Bon, ça va. Ah non mais il vient pas de faire le raid? Ou alors je suis totalement aveugle sur ma vie? Mais en vrai, j'ai Orion. Ah non, j'ai pas Orion, je suis con. J'ai totalement pas Orion en fait. J'ai totalement fumé des joints en fait. Oh, saleté. Reviens en arrière, toi. Tape fort. Sac la paproc. Sors un pour le slip. Allez, endors-le. J'aurais essayé. Là par contre en vrai, si il fait le sort 2 pour ce cleanse et qu'il proc pas, c'est possible que je gagne. Et je pense que j'ai gagné là. Allez, enlève lui le soin. Fais-le, enlève lui le soin. Yes, j'ai gagné. En vrai, je me demande si j'arrête pas là en fait là. C'est ça le truc en fait. Est-ce que j'arrête pas là vu que je suis à 1905? J'avais dit que j'arrêtais vers les 1900 et quelques. Parce que je pense que la limite du géant va se stack vers là en fait. Je pense que ça va se mettre là. Donc est-ce que j'arrête pas mes conneries et que je gère le géant comme ça? Parce qu'à chaque fois on se dit allez un dernier, un dernier, un dernier.
Et le dernier, en fait, on le perd. Et on fait du coup une défaite de pendant 53 fois d'affilée. Ah, vous me dites stop, arrête. 1910. Ah, il y a Ikelia qui dit 1910 pour être safe environ. Donc peut-être que je vais viser le 1910. Pour le fun. De toute façon, pour le fun. Est-ce que c'est vraiment fun? Est-ce que c'est vraiment fun? Voilà, un dernier. En vrai, je m'en fous, en vrai, j'ai pas Camille. Et Katarina, je la joue jamais. Dévier le port. Est-ce que c'est un vrai port? On va voir. S'il me met Tiana en premier pick, là, j'ai le seum. Tiana. Ah, ça, il part en bruiser du coup. Il part salement en bruiser. Mais on s'en fout. De toute façon, on vient de taper une team abusément bruiser. Alors, on va la refaire. Ah, là, c'est un peu trop bruiser. Il y a trop de sous en fait. Et enfin, la team d'avant n'était pas terrible parce qu'il n'y avait pas beaucoup de dégâts. Mais là, Perna et Fengyang, ça fait beaucoup de dégâts en fait. Je suis obligé de kick Perna là. Je suis obligé de kick Perna. Oh, j'aime pas sa team, elle me saoule déjà là. J'aurais dû arrêter. J'aurais dû arrêter. Merde. Bon, bah, je vais quand même kick Perna. Et je vais prendre ça et Lucian. Hop. Oh, il m'a saoulé lui. GVG déjà fait, ouais. J'ai déjà fait le GVG et le siège est en cours. Il va mettre un truc encore plus relou, je suis sûr, genre un Ariel ou une connerie du genre, un truc qui soigne une Pra, un Belladéon, je sais pas. De toute façon, je kick Perna, je focus le sort. Bernard, what the f... What? Mais non, mais je m'en bats les couilles de ton Bernard. Si quelqu'un peut expliquer le pick Bernard, je suis curieux. Ou alors, c'est que son Xingze énorme et qui va one shot le. Je comprends pas la stratégie là. Il faut qu'on m'explique. Je suis perplexe. Après j'ai peut-être perdu, hein. Je me rends pas compte. Ça se trouve je vais me faire défoncer, mais je crois pas. Ouais, il veut sortir le Lucian avec Panda et Singe, mais ça me paraît quand même bizarre. Ah ouais, Bernard plus rapide que Woussa, peut-être c'est ça, ouais. Mais si tu mets Bernard pour que ton Oussa joue, tu kicks Tiana, tu vois. Enfin, c'est pas logique. Parce que dans tous les cas, son shield, je vais le kick. Donc alors, verdict. Ça se trouve, en fait, ce qui est chiant, hein, ce qui est chiant, c'est que Orion rate le breakdev sur Oussa. Ça serait super chiant. Ok, ça va à peu près. Genre, je me fais stun, mais va manger des pâtes. Est-ce que Bernard, tu meurs au moins? Pas du tout. Mais je pense quand même que du coup là, Tiana va jouer. Non, pas du tout. J'aurais essayé de parler. J'aurais vraiment essayé de dire des mots. Allez, tue-moi le Feng Yang. Non! Genre, monsieur. Je suis pas bien là. En vrai, je suis pas bien là. Pas qu'il proc trop lui. Oh non, je suis bien. J'ai Orion, j'ai gagné. On connaît ce proverbe et il est vrai. Quand t'as Orion, t'as forcément gagné. Et là, mon gars, c'est bon. Ah, oh, il avait dit 1910. J'ai gagné que 2 points, sérieux. C'est quoi ces conneries? Sekhmet, non, elle est pas ruinée, ma Sekhmet. Elle est skill up, mais je la joue pas. Salut Noobie, joyeux Noël à toi. Du coup, j'ai un peu. Est-ce que je continue? Est-ce que je continue? En vrai, ça commence à être greedy un peu. En vrai, je pense que ça sert à rien de continuer plus que ça en fait. Honnêtement, je pense que ça sert à rien. Je pense que je suis tranquille. Où il en est où du coup le siège là? Ouais, Joel, ils sont pas du tout là. Les pauvres, ils sont bouffés de ouf. C'est comme ça, hein.
Qu'est-ce qu'on fait en ce moment, Nicolas Guildin? Je crois qu'on est parti en train de pour taper cette tour là, non? C'est ça? Est-ce que Apo t'es... Non, je crois qu'Apo il est parti. Mais Valère, j'étais G2, large. Hein. J'étais à 1955. Donc j'étais vraiment large, j'étais dans le top 500. Et un soir, j'ai full d'air. Je suis tombé contre des mecs hyper forts. J'ai joué aux mauvaises heures en fait, j'ai joué vers 3h du mat, tu vois, c'était que le Japon, que la Corée. Et j'ai fait une loose streak genre de 7-8 d'affilée. Et je me suis dit, bon, de toute façon, c'est pas grave. J'ai pas Camille, j'ai pas Trinité, j'ai pas Chroma. C'est pas très grave. Donc voilà. Je rate pas de skin. Après, c'est vrai que pour le prestige, c'est un peu moins bien, mais pff, pas très grave. Par contre, le géant, je le veux parce que le skin, j'ai peut-être vraiment le prendre sur Camille, peut-être. Au cas où que j'invoque Camille, en fait. C'est ça le truc, c'est un peu greedy. Problème de riche, il y a des 5 mat skill up, il les joue pas. C'est juste que c'est pas terrible 5 mat. Hein. C'est objectif. Hein. Le sort 3, il rate trop souvent. Il y a deux étapes de vérification de résistance précision qui passent. Et elle peut rater deux fois son sort 3. Enfin, c'est trop chiant. Si, je peux stock le skin en attendant. Hein. Donc je prendrai Camille, tu vois. Mais ça se trouve, j'aurai jamais Camille dans sur mon compte. Donc c'est un peu chiant quoi. Salut Mataros, joyeux Noël. Bon, j'ai tapé un truc quand même, les gars. Comment tu joues Kanos pour ces 3 gènes en RTA ou en arène? Ok, Kanos en DFGVG, c'est pas si ouf. Hein. Même en arène, en fait. Hein. C'est un monstre RTA, je trouve, Kanos. Et salut, Mataros. Et merci pour le sub. En vrai, c'est une sorte de très gros bruiser, mais il faut qu'elle soit très offensive. Ta chroma. En fait, pour avoir une acroma qui marche, il faut qu'elle. Qui des runes de porc dessus en fait. Et c'est un peu chiant. Bon, en vrai, comment on tape ça? J'ai pas envie de sortir des gros monstres pour ce genre de défense en fait. Parce que c'est pas non plus. Oh, bah, je sors Copper en fait. Je vais sortir Copper. Et Ganymède. Je joue jamais Ganymède. Je joue absolument jamais Ganymède. Donc il est jamais dans mes teams de GVG ni de siège. Alors je me dis pourquoi pas faire Copper simplement. Il est Copper, il est stockage, ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais tuer tour 1. Enfin, où ça va jouer mettre le shield. Mais mon Imesseti devrait jouer. Est-ce que à travers le shield je peux tuer Gizmizé? C'est pas sûr. Donc peut-être pour la sécurité, il faudrait plutôt tuer Anavel. Et et après tuer Zingzé avec le deuxième tour. Mais si mon copper se fait break death, c'est un peu chiant. Qu'est-ce que vous feriez les gars? Je demande votre avis. Ou alors vous feriez peut-être passer d'offense simplement. C'est une idée aussi. Hein. Sinon je fais ça en fait. Non, Bernard, il me sert pour Lucien. Avec un lead death, j'avoue que je peux jouer Delphoi. J'avoue, j'ai Delphoi là, pour tempo. Elle est ruinée ou pas? La question. Oui, elle est ruinée. Elle est ruinée, c'est bon. Ne me saoulez pas, elle est ruinée, ok? Eh, on l'a fait. Allez. LOL, le Woussa, il est tellement lent. Ok. Là, c'était pas GG le Woussa. Charlotte un peu. En vrai je peux essayer de jouer Charlotte, mais en fait jouer Charlotte c'est soit avec Lucien soit avec Tiana. Et ça va dépendre de ce que je croise en fait comme défense, tu vois. Mets un slow sur le... Ou ça. Non.
Ça faisait longtemps que j'ai pas joué Delphoi. C'est cool d'avoir utilisé ce monstre-là. Ouais, tu m'étonnes. Enfin, en vrai, mais c'est hyper cool. C'est hyper cool pour du GVG. Même pour de l'Erta, il y en a qui jouent des types, des teams avec, à base d'Erta. Merde, j'ai pas annoncé à la glitch que je faisais, je suis un peu désolé. Normalement, on annonce ce qu'on tape. Et là, je l'ai pas fait parce que je suis un nul. Je suis un nul. C'est un gros nul. Bon, je vais taper du coup. Pas trop mal ça en vrai. Salut Blue Wesley, joyeux Noël à toi. Et Wolf, tout pareil, joyeux Noël à toi aussi. Oui, on va voir, on va voir, on va voir, on va voir. Charlotte, Charlotte, comment je joue Charlotte là-dessus hein? En fait, ça marche pas trop Charlotte là sur le genre de def là. Comment on gère ça facilement? Je réfléchis, ça se voit. Zyros en speed et ses attaques pour la suite. Spikoneo en fait, tu seras obligé de faire ça. T'auras pas le choix. Il faut faire ça en fait. Joyeux Noël Sokira. Ouais mon pombec, je te montre si tu veux. Désolé, ouais, mais il est en privé juste, je sais pas, parce que c'est les combats d'occupation, les gens peuvent aller voir mes runes facilement en fait, tu vois. Il est comme ça mon mec. Rien de bien fou. Hein. Il est en attaque attaque. Il a 78 speed grâce au set swift, tu vois. Et l'autocrit c'est pas ouf vu qu'il a du crit à l'éveil. Il est pas impressionnant mon mec, tu vois. A partir de quel stade tu peux arrêter de faire des packs à 750. Dès que t'as de quoi faire ta team GB10 en fait. À base de. En fait, jamais quasiment en fait, c'est farmable. En vrai, si tu. Fais-le jusqu'à ce que t'aies les 2, 3, 4 nades clés et après t'arrêtes, tu vois. Skill up Tiana. Non, en vrai, Tiana, je l'ai pas skill up avant très longtemps. Ma Tiana, elle a pas beaucoup de skill up, elle en a juste genre. Tout ce qui l'a suffi, c'était que j'ai le 3 de maxé. Mais sinon, j'ai pas skill up la mienne, tu vois. Elle n'était pas maxée pendant très longtemps, c'est juste que quand j'ai commencé à la jouer en RTA, je me suis rendu compte que le sort 3 était un peu important à avoir régulièrement. Du coup je l'ai déruiné. Est-ce que Konat est disponible? Non, il n'est pas disponible. J'ai bien envie de jouer Brandir en fait. Ah si, il est là. Mais est-ce que c'est bien? Je suis pas sûr. Parce qu'en vrai, Brandia est one shot le Rakan à travers le wheel et tout. Est-ce que je ferai pas ça simplement? Non, c'est un peu tendu. Je réfléchis les gars. Même avant en vrai, parce que quand on compte les mecs, 750 cristaux, c'est énormément en refill. Et en faisant des refills, on gagne des vélins mystiques. De la foudre, des trucs comme ça, qui seront plus importants que les 11 vélins qui donnent, ça se trouve rien. Donc, je sais pas. Je suis sûr qu'il y a un truc à faire avec Brandia là. Yo, Shiwasan! Et joyeux Noël à toi. On va voir qu'est-ce qu'on ferait là. Est-ce qu'on ferait pas une Kali?
Là, c'est hyper ambitieux. Là, ce que j'essaie de faire, les gars, c'est... Non, en plus, elle est pas assez lente, rapide. Et elle est plus lente que Brandia, donc ça marcherait pas. J'ai envie de prendre Bastet. Et il me faudrait un truc... Bastet étant Xingzé tous les jours, il faudrait un cleanse, en fait. Il faudrait un petit cleanse. Et un truc. Un truc vent. On fait ça? J'ai pas de cleanse, par contre, ouais. Non, Pra, elle va jouer après Bastet à tous les coups. Si je fais le buff attaque, elle va faire le strip. Et... J'aurais plus le buff attaque. Désolé les gars, hein, je suis en train de réfléchir à qu'est-ce qui serait mieux que ça en fait. J'ai pas beaucoup de monstres vent en fait. Ah, c'est ça! Mais est-ce qu'il mourrait pas comme un caca? Est-ce qu'il mourrait pas comme un caca? Je suis désolé, hein, je sais que c'est pas le meilleur moment pour vous là. Mais j'ai de l'inspiration là. En vrai, je pense que ça passe. Sans déconner, hein. Les gars, je pense que ça passe. Ça. Salut paysan. En fait, la stratégie. Pra joue. Elle stun personne. Rez Velk passe. Il fait le sort 3. Il donne le buff attaque à elle, là. Brandia. Brandia one shot Rakan à travers tout. Et après, je suis à 2v3. Je tue Xingzé. As fast. Allez, c'est bon, let's go. Merde, j'ai sorti, quel con. Encore plus long que prévu. Donc, c'était Xingzé, Brandia et. Lui là. Et on met ça parce que c'est symétrique. Go. T'as pas de sustain? C'est pas très grave. Vous voyez, elle stun personne. Comme j'avais annoncé. Taper comme ça. Comme ça. Elle est sur Akan. Vous voyez, c'était prévu. Mon plan était infaillible, les gars. Et joyeux Noël à toi, SR Restricted. Hop, break def. Non, pas break def, mais c'est pas grave. Hop, on refait ça un petit coup. Ah, elle a déjà. Ah, parce qu'elle a fait le sort 1 au sort 1, je suis con. Et là, il gagne à tous les deux, c'est sûr. Hein. Ah, je suis content, j'ai bricolé un truc qui était solide. Je savais que ça allait masser, c'est passé. Personne n'y croyait, et moi je le savais. Je le savais. Ah, et Brandia, ça tape hyper fort. En fait, le truc, c'est que elle a 30% de bonus de dégâts quand le monstre ne peut pas être au sleep. Et vu qu'il avait l'immunité, il peut pas être au sleep. Et du coup, bam, 30% de dégâts en plus sur un énorme coef. Donc voilà, voilà. La Brandia, elle est comme ça. Je vous la montre. Elle est comme ça. Joyeux Noël à toi, Pinemol. Et ça tue la plupart des Rakan direct, hein, si vous voulez ruiner comme ça. T'as déjà essayé Xandra, Chandra. Ah, c'est vrai que j'ai Chandra aussi, les gars. Je peux jouer avec Chandra aussi. 50% en plus, désolé, c'est pas 30, c'est 50%. C'est 30% par debuff et 50% s'il peut pas être sleep. Donc forcément, ça monte énormément en fait. Et est-ce que ça sert à quelque chose de prendre cette base vu qu'ils vont en prendre une autre après là? La gueule de la def. Ça marche ça? Je crois pas. Je crois c'est juste qu'en fait on sait pas comment être comme def en fait. Qu'est-ce que j'ai fait en def pour l'instant d'ailleurs? Deux défenses réussies. C'est ma défense avec deux ninjas qui a gagné je crois. Ah je sais pas laquelle des deux a gagné. Je sais pas. Bon, est-ce que je finirai pas ça? Voyons voir. Comment je tape ça? Idée flag, qu'est-ce que je ferais pas contre ça en vrai? J'ai envie de pisser. C'est cool hein. C'est vachement intéressant. J'ai envie de faire mirror mais ça marcherait pas.
Est-ce que ça marcherait en fait? Mon Gemini, il est. Non, mon Verade est pas rapide en fait actuellement. Il est pas skill up, c'est pas bonne idée. Garou, on m'a dit jouer Garou. Mais là, il serait full stun en fait. Ce serait pas très intéressant. Garou, Rakuni. Et un truc qui tank le. En vrai, Garou, Rakuni, un truc qui tank le truc à droite, ça serait pas mal. En fait, il faudrait Kumun. Est-ce que Kumun t'es là? Non, j'ai étudié tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai fait un 2v3, j'ai pris Kumun et Stella contre une défense à 2v3 et ça a marché. Est-ce que je mettrais pas plutôt un truc tanky? Oh, la pas de rune Lisa, ça aurait été beau. Désolé, ouais, mon serveur m'est privé. Demandez-moi les monstres que vous voulez voir et je vous les donnerai. Qu'est-ce qu'on peut. Colline au pire? En vrai, est-ce qu'on ferait pas du disrespect de ouf comme ça? Non, ça sonne pas. Il faut tanker le Verade en fait. Le Rakan. Il faut un truc vent pour que le Rakan tape sur le truc vent et que le truc vent ne meure pas en fait. Je pense qu'elle meurt là. On tente comme ça les gars? Il y aura un break def sur le truc, donc elle va peut-être se faire one shot en fait. Parce qu'elle est pas tanky de ouf ma Sierra. Non, c'est pas Sierra, c'est une Chazune. Non, j'y crois pas à ça, moi. Ou alors, les gars, je fais stratégie numéro 2. Non, non, ça marche pas. Non. En vrai, je vais perdre comme ça, là. À faire n'importe quoi, je vais perdre. Salut, Rox, SW, et... Joyeux Noël, toi aussi. Qu'est-ce que j'ai en revanche, sinon? Ou sinon, ce mec, je lui chaîne, en fait. Hein. Non, j'ai pas Rakan, mais j'ai Verade, par contre. Sinon, je le speed et je le tue en vrai. En vrai, on va faire ça, les gars. En vrai, on va faire ça. Je vais chercher plus compliqué pour rien. On va faire du Messi Copper et puis voilà. Ou alors, est-ce que j'ai utilisé Copper tout à l'heure? Ah oui, j'ai utilisé Copper déjà en fait. Merde. Et il Messi aussi en fait. Je voulais le Bulldo Copper, mais. Foucault, il est pas runé. Et si je fais ça, que je reset le Verade? Non mais il est pas skill up et tout, c'est une machine, il est mal ruiné en plus. Bon, pour le beau jeu, désolé. YouTube, je sais que vous êtes là, vous vous dites putain mais il va le faire quand son putain de combat là, il est relou. Mais voilà, j'ai fait mon choix. C'est mon choix sur France 2. Et on va jouer... En fait j'ai pas fait mon choix en fait. Putain, dommage, c'est pas ruiné. Je vais ruiner Feng Yang numéro 2. Feng Yang numéro 2, je vais mettre des runes en fait qui feront que peut-être il peut tanker le Rakan. Ok. Parce que mon premier Feng Yang, je l'ai utilisé. Ce qui fait que je peux plus le réutiliser. C'est la logique des combats d'occupation. Oh putain. Oh, je suis full de partout, je suis vraiment un truc du cul. Est-ce que j'ai pas un truc qui se fout de là? Voilà, nice. C'est sur Chéri 25 maintenant? Oh, désolé, je suis dans la vieille école, moi. Oui, je suis en palace de mana tout le temps. De toute façon, ouais. Alors, Feng Yang numéro 2. Qu'est-ce que je peux donner comme runes qui sont dans l'inventaire qui ont le plus de HP possible? Il faut que tu mettes le plus d'HP possible. HP 20%, 23, c'est tout? Bah, je vais te passer celle-là en fait. Oh, quoi qu'un set shield serait pas dégueulasse. Non, j'ai pas de shield, ok. Juste, je vais mettre celle-là, ok. Et là, ici, c'est quoi, du coup, la rune que t'as le plus d'HP en 20? Ça pue du cul, hein. Il va se faire one shot, en fait. Hein. Quoi que non, il a beaucoup de def. Allez, on fait ça, on s'en fout. Je pense qu'il se fera pas one shot. Oh, j'ai pas eu le temps. Tout ça pour ça, mais Shizu, t'as pas d'âme. Hein. Oh, bah, désolé, YouTube, désolé, les mecs sur le stream. Tout ça pour ça, en fait. Waouh. Et je crois qu'en plus on peut retaper en fait. Ah si, je peux taper ça. Putain, je suis un gros con. Du coup, on va mettre beaucoup moins de temps maintenant pour choisir les trucs, les bails. Mon Garou. Garou, strip, grogo. Ça aurait pu marcher. Attends, les gars, je vais montrer mon Garou et je vais l'épicer parce que j'en peux plus.
Je vais montrer mon garrot et je reviens. Vous allez bien, ça fait longtemps, non? Quoi, oh, ça fait hyper longtemps. Alors. C'est pas terrible ça comme défense, ouais. Ma baisse, elle est comme ça. Elle est pas skill up en fait. Elle est pas trop skill up. Mais je suis pas sûr qu'on ait envie de prendre cette base en fait. Apo est en train de taper la base 4 jaunes. Bon, bah, j'ai tapé les bases 4 jaunes. Et il tape quoi? La B4, ok, bah je fais la B1. 1, T3, J. Non. J4, T1. Hop. Mon Chiou, malheureusement, il est pas ruiné. Malheureusement, il est pas ruiné, donc désolé. Il est pas ruiné du tout. Quasiment autant qu'il s'adresse à lui-même. Merde, j'ai raté le chat, qu'est-ce que vous avez dit? Mon avis, c'est que t'arrêtes d'acheter les packs quand t'as toutes les teams, trucs à faire. Bon, en fait, dès que t'as ta team GB10, en fait, tu peux arrêter de faire des packs premium, je pense. Alors, comment on tape ça? Est-ce que je sors une sorte de team qui devrait marcher 100%? Ou est-ce que... Ouais, je vais faire ça, je pense. Hein. Je vais sortir un truc à base de Woussa, les gars. Je vais mettre Woussa. Je vais mettre... Rakuni et Théo. Ça devrait marcher, mais H24. Rakuni va provoquer le reset sur lui-même. Sauf que Rakuni a pas besoin vraiment de coup d'Inde en fait. Il s'en bat un peu les couilles. Il est même pas ruiné, mon Rakuni, en vrai, sérieux. Ouais, ça fait ça en fait. Wanissim sur iOS en fait. Quand je fais ça par exemple, et eh ben ça réduit l'écran du jeu et c'est chiant, malheureusement. Joyeux Noël à toi, j'ai fait le tort. Donc c'est comme ça, c'est dommage. Ouais, c'est vrai que t'as raison, peut-être DB10 en fait, ouais. Peut-être ça que Verde il aide beaucoup, ouais. Et Théo en bas, Théo ça devrait marcher, non? En vrai, je pense que ça passe. Théo, où est-ce que t'es? Ça, je pense que ça passe, les gars, vous en pensez quoi? Le NB10? Le Elf Dark, non. Même en NB10, je trouve qu'il est pas terrible, honnêtement. Vu que son passif, ça envoie qu'une flèche et pas 3, c'est pas le sort 1. C'est... ça prend trop de temps sur les vagues et tu les rattrapes pas au boss en fait, je trouve. C'est pas ouf, hein, je trouve. Après, peut-être que je sous-estime sa def en fait. My Water Falkenstein isn't that good. I can show you, but... Hey, merci pour le sub, Jizzy Zendoub. Je pense que ça passe, les gars. On l'attente, allez, on l'attente. Putain, je le sum. Je le sum. Il était déjà dessus. Non, j'avais dit que je la faisais en plus. J'ai le seum. Encore une fois, tout ça pour ça. J'espère qu'il va perdre. J'espère qu'il va lose. Bon, merde, il a réussi, putain. Bon, bah, je vais taper celle-là, hein, tant pis. Je vais finir par m'énerver à force. Je vais péter un câble, les gars.
Il tape la 5. Il y a la 5. Alors, B5, T4. Alors, je fais ça. En vrai, ça soutient ça. Comme à peu près tout dans le jeu, vous allez me dire. Mais vraiment. En vrai, les gars, on met basse-tête, Lucian, et c'est fini. Alors, basse-tête et Lucian, le gros Lucian. T'es là? Allez, hop, c'est gagné. C'est vrai qu'il y a le shield qui est un peu chiant là. Mon singe-feu? Je te le montre après, ouais. What the? Reste calme, gros. Reste calme. Ok. J'étais pas serein. Je me dis non, il fallait pas qu'elle proc trop en fait. Là, j'étais quand même pas trop serein sur sa quantité de proc en fait. J'étais pas très large. J'étais pas très large. J'étais pas très large. Ok. Du coup, 2 secondes, il faut que je vérifie un truc quand même. On m'a demandé du coup vite fait ma Brandia, elle est comme ça. Et je crois que je vais m'arrêter maintenant pour les combats d'occupation, les mecs. Je sais que je vous ai fait patienter une vie en fait pour ne pas faire beaucoup de trucs. Parce que je peux pas taper autre chose en fait. On peut juste taper leur 10 rouge là et je suis pas sûr qu'on ait envie de la taper en fait. Parce qu'on a beaucoup de base déjà. Je pense pas que ça sert à quelque chose de taper plus que ça en fait. Ouais, j'ai eu la goulée de lait dessus un peu là, j'étais là, oh putain, oh putain, oh putain, oh putain. Des semaines de prévu? Non, j'ai rien de prévu en semaine. Y a rien du tout. Donc je pense que je vais tranquillement partir en farm et pas trop tarder non plus à quitter le stream, les mecs. Je crois que j'ai pas pris l'event. Je vais vérifier, les gars. Je crois que j'ai pas pris l'event. Mais je vais pas tarder non plus, les gars. Hein. Faut que j'aille moi en ville et tout après. Oh, y'a un vélin. Si, y'a une semaine, les mecs. Y'a une semaine, y'a un vélin. Et je vais crafter une rune vieux parce que j'en ai besoin. Je suis un peu en déj de rune vieux. Vérad, il est pas terrible. Vas-y. Ah, j'ai rien à prendre. Allez, rune légendaire. Je veux une rune légendaire, une défense ou attaque pour 100 en 6. Oh, ok, j'aurais essayé. J'aurais vraiment essayé par contre. Là, ça fait combien de temps qu'on en stream? Ça fait 1h30. Peut-être une demi-heure de plus et après j'irai. On Verad en FRN, je suis pas sûr. En fait, j'ai toujours pas de quoi faire une vraie def en fait. J'ai Chiou, Verad. Je peux mettre une Kabilla, tu vois, pour avoir le premier tour. Mais en fait, il faut un break def AOE pour que ça marche. Et en gros, il faut retech, tu vois. Et c'est un peu chiant quoi. Ouais, non, mais Sadou, c'est mon prochain skill up, Sadou, mon Okanos. Je vais skill up Verad en premier. Après, c'est Okanos. Et je peux faire un bon Okanos en vrai, je te montre le runage que je peux faire pour lui. Je peux faire un Okanos vers les 285 de speed, c'est pas non plus les 300 de speed qu'on voit sur les comptes dans des top mec RTA. Mais rien que 285 c'est quand même pas dégueulasse. Speed. Alors j'ai en Nemesis ici une rune à 27 speed que je vais mettre. Peut-être que je prendrai la rune qui est sur Ariel en fait. Parce qu'en vrai, Ariel il a des runes. Je m'en sers pas tant que ça. Je remplacerai cette rune par une rune où il a la place et ça marchera aussi bien. Et après, je mets du Swift en fait, qui a de la speed. La rune de Kona, je pense. Parce que Konamia, je joue pas tant que ça. Et en soi, il a pas forcément besoin d'être si rapide que ça.
pour quand je joue en tout cas. Donc une rune speed, hop, speed, la rune de... Ah ouais, je m'en sers en raid quand même. La rune de Kona, allez, c'est parti, hop. Ici, qu'est-ce que j'ai en speed? Ça, 21, et ici, ça. Tu vois, il aurait donc à 280 en fait. Non, 283 speed, 282 speed. C'est pas non plus si ouf. Jimini, ouais, mais ça sert à rien de mettre Shiyu et Jimini dans ta dev d'arène, je trouve. Tu vois, c'est pas terrible. Mes poneys, ouais, j'y joue tout le temps. RNNRM, je joue tout le temps mes poneys. Donc, ce serait pas. Après, il serait un peu squishy, mais voilà, ça marcherait quand même, tu vois. Tu t'en sers pour quoi, Shiyu? J'ai pas Shiyu. Ah, tu parlais de. Ok, t'as confondu Shiyu et Shiyu. Parce que j'ai particulier, je pense. Et j'ai pas le singe. Oh. Mais j'ai pas enlevé Shiyu. C'est un meilleur lead speed. En vrai, Jimini, t'as au speed de rien. Lead speed 19%, t'as speed que dalle. Et le strip de Jimini est pas aussi fiable. Parce que si le mec il a un shield wheel en offense, et bah ça se trouve, il y a pas strip le wheel. Je sais pas. Peut mieux faire, mais au moins je strip personne, tu vois, ça vous. Je strip pas mon Oussa, je strip personne, et ça c'est cool. Joyeux Noël à toi, Zapéqué. J'ai remis Verdé dans ma team Nebedis, en fait, les mecs. Parce qu'avant, on jouait du coup Susano et Kali. Et une fois, j'ai perdu deux fois d'affilée avec Kali. J'ai dit, bon, bah ça sert à rien. Tu te prends la tête pour rien. Enlève la Kali de ta team. Ouais, je peux montrer Mawa, ouais. Mawa, elle est. Elle est pas ouf comme elle était avant. Parce que bah, je fais beaucoup moins de raids qu'avant, simplement. Et je me suis dit que ça va rien d'avoir des très grosses runes sur un monstre que je joue pas des masses, en fait. Bah si j'ai Susano en lead, Verdé profite pas du lead speed en fait, tu vois. Et entre 28 et 30%, il n'y a pas tant de différence que ça, tu vois. Alors mon Susano est comme ça. Mon... Maintenant, Wa est comme ça. Ouais, elle a rien de spécial, elle est même pas assez tant qu'il produirait. En vrai, il lui manque de la défense. Elle est en vitesse, taux crit, attaque. Vous voyez, rien de bien ouf. Hein. Pas beaucoup d'attaques en plus, enfin, elle a pris des runes quoi. Enfin, cette rune elle est vraiment bien. Celle-là elle est sympa, parce qu'il y a beaucoup d'écrites. Celle-là elle est sympa, du écrite. Enfin, pff, j'ai fait un mix assez sympa quoi, mais rien d'extraordinaire. Après elle est rapide. Ouais, je montrerai mes tarques après. Quel stat sur une Luna en speed DB? En vrai, si tu Luna, c'est vraiment que tu veux one-shot le boss avant même qu'il joue. Tant qu'il naît, tu t'en fous un peu, faut qu'il y ait juste qu'elle joue avant Verdé. Genre, bah du coup, 160 speed, un truc comme ça, tu vois, 160. Il faudrait au moins que le Verdé ait au moins 150, tu vois, un truc comme ça quand même de speed. Et après, bah, le max d'attaque et dégâts crit, enfin... Non, il n'y a pas de... Tu peux pas meuler des stats. Je montre, enfin, je vais vous expliquer un truc. Les mecs, c'est simple. Je vais vous dire en fait qu'est-ce qui se meule et qu'est-ce qui j'aime en fait. C'est tout. On est dans rune. Vous voyez les monstres à droite là? Donc là c'est mes tarques. Il y a les parties du haut avec PV, attaque, défense, vitesse. Ça se meule en fait. Parce qu'il y a le truc vert en fait à côté. Vous voyez? Vous pouvez meuler ça. La partie du bas vous pouvez pas la meuler, c'est tout en fait. C'est juste ça en fait. Et tu peux meuler une Stam GM, ouais, c'est ça. En fait, le truc avec un plus, vous pouvez le meuler. Si en bas vous pouvez pas. C'est aussi simple que ça. Du coup, en fait, tu vois, ils sont en triple fight, mes Tark. Les deux sont triple fight, avec des stats pas terribles du tout, en fait. Alors, le premier, il a donc ça comme stat, rien de ouf. Mais vu qu'il y a beaucoup de fights, ça tape quand même fort. Et celui-là, comme ça. Pas ouf, hein, mais ça passe. Non, tu peux pas monter, ouais, tu peux rajouter sur ta rune
du TCC et du DCC s'il n'y en a pas sur ta rune, mais tu peux pas l'augmenter. Ah non, ils ont pas de DCC, mais les Tarks, hein. Ils ont auto-crit. Mes Tarks, ils sont auto-crit. Ils sont en... Il y en a un en vitesse auto-crit attaque et l'autre en attaque auto-crit attaque. Mais vu que, en fait, vous voyez, buff allié, j'ai 64% attaque bonus avec mes rune fight. Du coup, ça compense le DCC que j'ai pas, en fait, tu vois. Le max de speed sur une rune, ça va être du coup 30 et melee à 35. Ta team DB en mettant en TO à la place de Tark, ça passe? Non, ça passera pas aussi bien. En fait, les Tark avec Verdé, ça sécurise vachement parce que bah, ça va booster la TB des monstres. Et même là, tu vois, le run qui vient de se passer était pas ouf du tout parce que j'ai pas eu le break dev tôt sur le boss et tout. Mais vu que j'ai joué plein de fois, j'ai pu voler la tour à l'immunité, hein, le tour à la tour qui pose l'immunité, et j'ai pu gagner quand même. Ayaté, c'est pas forcément mon bail. Enfin, moi j'ai conseillé aux gens de farmer quelques rune fights s'ils galèrent à passer leur team DB10, leur speed DB10 à 100%, parce que ça peut faire gratter un peu de trucs, d'attaque qui ferait gagner le run. Mais si t'es en début de jeu et que t'as pas ta team DB10 qui est presque à 100%, c'est pas forcément le bon bail, tu vois. Faut pas le faire trop tôt en fait, tu vois. Salut Xeros, bah ouais, carrément. Salut toi, joyeux Noël. Et joyeux Noël à toi aussi, au CN26. Et Panda aussi. Désolé, j'ai un peu raté des messages dans le chat. Kali et Lynn, Kali, sans hésiter. Pour moi, c'est vraiment Kali large, parce que le côté support qu'elle ajoute, genre si le run se passe très mal et qu'il n'y a pas le break def qui se pose, bah elle te donnera un buff speed qui te permettra de gagner des tours, elle te mettra un near def qui va taper à travers bah, l'immunité. Je préfère Kali, moi. J'ai joué les deux, hein. Et d'expérience, je préfère Kali. Salut, Y Crad. Non, c'est toute la team, en fait. Les rune fights, c'est toute ta team, en fait, qui profite du buff attaque. C'est comme en fait un leader skill, c'est comme un... Enfin, c'est comme les buffs en fait. Les buffs, il y a écrit augmente l'attaque des alliés, tu vois. Mais il l'a aussi sur lui-même, le monstre qu'il a. Ah, faut, je vais faire des recherches en même temps sur mon PC. On va voir. Mirko, Relais, Bordeaux. Faut que je fasse un cadeau. je m'y prends vachement d'avance. Ouvert aujourd'hui. Cool. Ah, il est ouvert en bas chez moi. J'irai voir après. Mais non, ça m'étonnerait quand même. Ouais, ça va être fermé, ça freine quand même. Je préfère. C'est du focus le R4 et que t'as pas WA, focus WA Flowflet alors. Hein. Je pense. Hein. Qu'est-ce qui est ouvert le jour de Noël? Je pense qu'il n'y a rien qui est ouvert à Noël, non? Je pense vraiment qu'il n'y a rien qui est ouvert à Noël. Au pire, j'irai voir un fleuriste. Les fleuristes à Noël, ils sont ouverts, non? Vous pensez, non? Fleuriste, Bordeaux, Noël. Et... Pas forcément, en fait. Mon Susano? Ouais, je vais le montrer après, si vous voulez. Je vais le remontrer. Moi j'ai attendu très longtemps à monter le bâtiment speed niveau 10, hein. J'ai fait jusqu'au niveau 9 et après j'ai attendu. Je trouvais que c'était pas vraiment judicieux de le monter niveau 10 en fait.
Ok, Mkalidor, de ton information. Il est comme ça, Susano, Susano, Susano. Susano, où est-ce que t'es, t'es là? Rage l'âme. Un peu trop squishy pour du PvP, mais ça se passe pas trop mal en vrai en défense de combat d'occupation, ça se passe pas trop mal. Lumaïs est hyper fort en raid, ouais. Mais en fait, je trouvais que le 2000 points de gloire pour 1 point de speed, c'était trop cher en fait. Avec 2000 points de gloire, tu pouvais monter plein de trucs, plein d'HP, plein de défense, plein d'attaque. Je trouvais que ça allait pas le coup, moi. Enfin, je trouvais que ça allait pas le coup. Est-ce que j'ai fait des défenses réussies? Bon, j'en ai fait qu'une aujourd'hui. Enfin, je pense que c'est elle. Entre les deux, je pense que c'est la ninja qui gagne. En tout cas, c'est celle avec les deux ninjas qui gagne le plus en fait. Celle-là, elle gagne beaucoup de défense réussie. J'aime bien cette défense en vrai, j'aime bien. J'ai pas une rune à monter. Vu que j'ai du mana, autant monter une rune quoi. Ah, je savais bien qu'il y avait une carte. Eh ben bon courage, hein, j'ai fait l'un pour les 111 Devil Mode. Nice, cool. Là, je montre mes dernières runes qui sont pas plus 15 du World Boss en fait. Ah, c'est ma deuxième Lumiristia, je suis con. C'est vrai qu'elle, elle devrait dans ma team World Boss, mais j'ai pas monté ses runes en fait. Comment quoi. Mon Vera est runé, mais il va changer en fait. Je l'avais runé à la base en me disant oh, est-ce que je peux faire un truc à 230-240 speed avec 30k HP et 2k def? C'est pas possible. C'est pas possible. En fait, je voulais m'en servir en RTA, en offense GVG et aussi en dev d'arène. Il faut choisir, il sera pas en dev d'arène. Il est comme ça actuellement en fait. Et c'est pas meulé, c'est pas fini de monter les runes. Vous voyez, cette rune elle est encore plus douce. Je vous la montre ici et le chat cache le truc. Pire, je vais enlever le chat pendant que je parle des runes. Hop, voilà. Donc il y a cette rune là qui est pas finie d'être maxée, pas meulée. Celle-là, ça a fait des petits procs sur les meules. Celle-là est bien par contre. Celle-là est bien. Ça c'est une rune que je vais garder sur lui. Ça c'est pas encore meulé les PV. Ça c'est trop lent. Enfin en fait ces runes vont changer. J'ai un build à lui mettre à 234 speed je crois. Avec 22 000 PV et 2k def. Je pense que je vais faire ça en fait. En violent wheel. Mais là il est comme ça pour l'instant. Tant qu'il n'est pas full skill dans tous les cas, je sais que je vais pas le jouer tant que ça, donc je suis pas pressé. Et puis voilà. Alors, GVG. Garou Raccoon, tu mettrais quoi? Beagle? Ben, il te faut un break def en fait, c'est tout. Si t'as pas de break def pour ton Garou, c'est un peu dommage. Aujourd'hui, j'ai joué une team Leia qui marchait trop bien. Je vais vous la montrer. Je vais pas lancer le combat, mais c'était une team qui a trop bien marché, j'étais bien content de la faire. On va faire sans lancer. Hein. Ah bah je vais pas la prendre les monstres, je suis con. Je vais le faire du coup en TOA. Une team Catnat qui a très très bien marché. C'était elle là, où est-ce qu'elle est? Miyang. Soa. Et Karl. Je vous jure les gars, c'était trop solide. C'était trop solide cette team. J'avais du sustain avec elle et un lead attack. J'avais lead attack 40 en fait. Qui augmentait la qualité du soin et les dégâts des deux. Lui il met un break def, il met des dots, il met de l'antil. C'était trop cool en fait. Cette team je l'ai trop aimé. Et certains je la rejouerai au prochain combat d'occupation. Bon après, ils ont des stats de port. C'est vrai qu'ils ont des grosses stats. Ils sont tanky, ils ont beaucoup d'attaques. Et surtout ils sont tankés en fait. Genre surtout ma Miyang, elle est incroyable en fait. Genre, elle a beaucoup de stats défensives. Et lui, bah, il tapait plutôt pas mal en fait. Avec un petit set revanche pour faire le sort 1 qui est une buff attaque. Miyang, ça étendait. C'est pas Karl, je suis con, je confonds, c'est Ryan, désolé. Ouais. Et Karl, je l'ai pas monté. Enfin, cette team, elle était trop cool. J'essaierai de la montrer en vidéo prochainement.
Et j'avoue que ma soa, elle est quand même assez respectée. Elle a pas beaucoup de taux crit, mais elle est tanky, elle est bien. Mon transcendance, ouais, j'ai eu le paladin vent. Autant dire que j'ai pas eu grand-chose en fait. J'ai pas eu grand-chose. Parce que je la trouve pas si ouf en fait. Peut-être que je me trompe sur le mob. Hein. En vrai, peut-être que j'ai pas compris comment la jouer. Peut-être que je sous-estime. C'est possible, hein. Mais juste, je me vois pas la skill up en fait. Et je me doute que pour qu'elle brille, il faut la skill up. Et non, j'ai des devil mode à donner à d'autres monstres avant, donc je vais pas faire ça. Paladin feu. Mais en vrai, enfin tous les paladins sont un peu bancal. Enfin, il manque un truc en fait. Mais le mec, il est relou. Mais il est tellement relou. Bon alors, comment on tape ça, les mecs? Mais les mecs, ils sont relous. C'est ce que je vais faire, les mecs. Je vais faire l'Aika qui va contrer le passif de ces conneries là. On va faire ça. C'est ta def ça sérieux Benkis? C'est toi là? En gros, c'était pas si long que ça en fait. C'était pas si long que ça. Non, c'est pas toi du coup, mais c'est quelqu'un qui fait la même def que toi. Ouais, il sera sur YouTube, ouais, jeune poulain. Là, je vais couper le stream dans pas très longtemps en vrai. D'ici quoi, 12 minutes, je pense. Que ça fasse un stream de 2 heures. Et je le reposterai, je pense, en direct sur YouTube après là. Genre d'ici 1 heure ou 2, tu vois. Il y aura un peu eu de tout, sauf des summons, ce qui est plutôt cool parce que sur mes créneaux fixes, je fais quand même pas mal de summons et pas assez de contenu PVP. Et du coup là, c'est pas mal, je trouve. C'était pas mal, là, il y a eu un peu de tout. Il y a des défis qu'il a joué. Ouais, ça peut être bien sur sort 3, tu vois, mais en fait, je préfère Ariel en fait. Enfin, tu vois, le sort 3 peut être bien, ouais, sur. En anti-Némésis, mais il n'y a pas de buff ATB, contrairement à Ariel en fait. Ariel, il peut te faire. Combo Breaker en fait. Alors que elle fait juste un shield et du soin. Enfin, moi, je vois ça, je fais Triple Lucian, tu vois. Enfin, je sais pas. La Louise là. Après, il y a le sort 2 qui est peut-être mieux que celui d'Ariel. Enfin, je sais pas. C'est Ariel en vent en fait, tu vois. Et vu que j'ai déjà Ariel, je me dis pourquoi est-ce que je jouerais la paladin d'avant, tu vois. Ah, Razios, je la ferai, ouais. Je la ferai, là. Et salut, de Défion, justement, on parle de toi, voilà. Si t'es là, t'as dû entendre. Moi, j'ai Louise, tu vois, et j'ai Ariel, donc je sais pas quoi en faire. Et je suis perplexe en fait, tu vois, sur le kit. What the fuck? Bah cool ouais. Ton feedback sera utile, les défiants. Mon sort farm est un jour, mais il est en privé là, ouais. Pendant quelques jours. Bah, je le remettrai en fait en public demain soir. Enfin, quand le combat d'occupation sera fini. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, en fait, ouais. En fait, c'est juste une option supplémentaire à tous les soins en Némésis, en fait. C'est Pra. Enfin, c'est Ariel. Pour moi, c'est même kit Ariel, honnêtement. Parce que Pra, c'est différent parce qu'elle strip. Mais ouais, c'est ce genre de monstre. Donc, si y en a, le compte n'a pas un Ariel ou une Pra,
elle vaut le coup. Honnêtement, elle vaut le coup. Mais juste pour moi, elle m'apporte rien, quoi. C'est tout. Donc, pour répondre à la question initiale, ben, je ferai rien de ma Louise, en fait. Je pense pas que j'ai donné des villes dedans, en fait. Ah, j'en ai plus. J'ai fait mes ailes, putain, je suis assez content. La semaine dernière, je crois que j'ai fait genre une aile ou deux. J'ai fait. J'ai fait 130 ailes. C'est pas mal en vrai. C'était une grosse semaine. J'ai fini ces deux. Et voilà. Je voulais montrer quoi avant. Comment tu jouerais Vela en AD? Je sais pas. En Swift, je pense. Je pense qu'il sera en Swift. C'est qu'on a, on est un peu trop étendu là. Un peu trop, ouais. Mais même complètement trop. On est complètement trop étendu. Bon, c'est pas grave. Est-ce que j'ai pas une autre rune à monter? Faudrait que j'aille voir mon Swarm Farm en fait. Qui en privé, vous avez, je sais, vous êtes déçus. Je vais voir en fait mes runes. Qu'est-ce qui est pas plus 15? Que je monte une rune plus 15 pour la farm et puis voilà. Ah, mais non, les gars, j'ai pas fait mes. Oh. Je me déteste. J'ai perdu mes réflexes de Summoner's War en fait. Je suis plus aussi tryhard qu'avant. Bon, on va faire un peu de rift, les gars, avant de couper le stream. Je vais faire mes pierres de rival, les gars. Mais direct. Il y a trois pierres de rival et j'attendais comme ça, je sais pas, j'attendais qu'il pleuve, qu'il fasse beau, je sais pas. Non, on va faire des pierres de rival tout de suite. Bon, ça va prendre un peu de temps d'ailleurs de faire les runs, donc peut-être que le stream va durer un peu plus longtemps. Donc on pourra parler comme ça pendant ce temps. Ce sera en automatique, et puis voilà quoi. Bess, je la joue pas encore. Elle a des runes. Ah oui, le skin, le prochain, je sauterai sur Bess. Parce que je la trouve trop belle, les dames de l'enfer. Bah, mais Rad, pour moi, il faut violent. Enfin, c'est même pas pour moi, violent, de toute façon. Et Will, j'aime beaucoup le Will en fait. Enfin, de toute façon, moi je suis un mec qui met du Will sur tous les monstres. Enfin, au possible en fait. Et après, il faut qu'il soit rapide, qu'il ait les PV et la def. Et la précision. Donc ça dépend de tes subs. Hein. Mais ouais, hein, les dames de l'enfer sont trop belles en fait. Et du coup, ça me donne envie de la jouer, tu vois, ma Bess, elle est trop stylée. Il faut que je la joue. Ah mais moi par contre je vais la jouer en rage hein. Moi ce sera juste un autre DPS AOE supplémentaire en fait hein. Rien de plus hein. Pour les combats d'occupation en fait je fais Tiana, Galéon, Alicia. Je fais aussi Galéon, Woussa, quelque chose. Et en fait avec Woussa je peux mettre Bess comme ça tu vois. Mataros, non, je pense pas. Moi, je pense pas qu'il y ait tant de proc plus en défense qu'en arène. Même ça a été prouvé que non. C'est juste qu'on se souvient plus des procs adverses, en fait, et tout. Enfin, prouvé par une personne, en fait, qui a fait un combat en automatique. Shazoom contre Eladriel, en 1v1, en automatique. Et qui a fait une vidéo de 1 heure, en fait, il voyait que les procs étaient les mêmes. Donc, je pense que c'est une mémoire sélective, en fait. Moi ça m'arrive hein, de faire 3 procs d'affilée en offense aussi. Hein. Dans ta team DB, pourquoi t'as enlevé Wayne? En fait ma team DB elle varie tout le temps en fait selon mes envies. Je remarque que tout passe quasiment en fait donc si j'ai envie de jouer un monstre je vais le jouer. Voilà. Ah oui merci le chat ouais. Merci Beagle. Lucas et Figaro. C'est qui Lucas déjà? C'est pas le light? Je crois que c'est le Neostan Fighter Light, je crois, non? Un peu décevant, lui. Même si son up, en fait, son shield est pas si ouf, je crois. Enfin, c'est ce que j'ai lu sur Elite. J'ai pas testé, donc apprendre avec des pincettes ce que je dis, comme d'hab, de toute façon. Et le Joker Light est pas mal, en vrai. Bess, c'est hyper fort, en demi-10. Mais il faut la mettre en violent, quoi.
penses qu'on fait du R4, on passe qu'au Rift? Non, c'est pas forcément une priorité en fait. Enfin, pour moi, c'est une priorité. Mais ton niveau en raid ne veut pas forcément, n'a pas forcément d'impact sur ton niveau en Rift en fait. Si t'as monté les unités pour faire ta team Rift vent, qui pour moi est la plus facile, tu mets Bernard, Shazoon, Bella et 3 DPS, tu vois, ça passera. Il faut faire les pierres de Reval en fait. Et en gros, le raid est pas forcément dépendant de ça en fait. Enfin, ça n'a pas d'impact les deux, je trouve. Et les pierres de Reval, c'est vraiment hyper important. Donc, je conseille aux gens de faire leur team Rift assez rapide en fait. Assez rapidement. Bess en AO, non, j'en ai pas besoin, j'ai Alicia en fait. Et Alicia, contrairement à Bess en arène, en offense d'arène, elle est mieux sur tous les points. Donc, voilà. Salut Fafa Paris, ça va ou quoi? Joyeux Noël! J'oublie la politesse, putain. Le Moon Clouse, c'est pas une priorité, non? Non, non, franchement, le Moon Clouse, c'est un très bon monstre. Enfin, c'est un truc, je trouve, qui a été l'une des meilleures mises à jour sur Summoner's War. Mon avis perso, hein, c'est que moi ça implique. Depuis ben, le début du jeu, en fait, quasiment. Parce que ça permet de débloquer une palette manquante de tes pools en fait. Donc je trouve ça vraiment bien. Mais si t'as besoin vraiment d'un truc spécifique, tu vois. Si tu dis putain, fais chier, j'arrive pas à faire un truc. Par exemple, Théo Hard par exemple, tu vois, le Moon Clouse O est très bien pour Théo Hard, tu vois. C'est un exemple, hein, c'est juste un exemple. Le vent, c'est le plus dur. Hein. Le Rift vent, il est vraiment dur. Comment on a, quand on a ni Shazoon ni Bernard. Non mec, non mais Little Rush, fais pas chier. Prends ton Bernard, sérieusement. Joyeux Noël, Cascapoule, Popol plutôt. Aucune idée, Wekars. Wekars, j'en ai aucune idée. Pour les commandes coins sous ça là. Je sais pas combien de temps ça va prendre en fait de farmer les compos de pièces élémentaires là. Ouais, je vois, bon, ouais. Toi, t'es un cas particulier aussi, Little Rush. Et pour moi, Wayne n'est pas meilleur que Bernard par contre. C'est juste différent, c'est tout. Mais c'est pas meilleur. Si t'as un Perna à tanker, tu vois, tu vas pas le faire avec ton Wayne. Hein. Donc voilà, c'est. Moi, je sais que mon Bernard il tanque les Rakan et les Perna. Quand je fais du double chaîne, alors que là, si t'as pas un truc vent pour tanker un Perna ou un Rakan, tu vas pas forcément double chaîne un Rakan, tu vois. Enfin, c'est mon avis. Après, du coup, t'as Wayne pour tuer le Rakan, j'avoue. J'avoue, c'est différent, ouais. En fait, c'est plus offensif, ouais. Mais s'il y a un truc qui est là encore en vie avec le Rakan, c'est tendu. Avec Wayne, tu vois. Genre, imagine, il y a un feignant qui reste en vie ou qui revient à la vie quand il est Adriel. Imagine, il y a Eladriel et Rakan qui sont encore en vie, Eladriel ressuscite Feng Yang. Ton Lushen meurt, et t'as perdu en fait. Et oui, mon gars. Je fais des scénarios hyper précis en fait. Genre, j'ai vraiment pris le truc chiant en fait. Tu vois. Kalidor, je sais pas la speed des Zad. Non, je sais pas. Frégate pour Lushen? Tu fais quoi? Tu fais Frégate, Bastet, double Lushen? Putain, il doit avoir quoi? J'avoue, tu peux jouer des Lushen hyper lents avec ça en fait. Et après, tu joues l'offense pour Théo Susano. Ouais, je vois l'offense en question. T'arrives à la jouer sérieux à Little Rush? Bon, il y a tout que du Will partout en fait. J'ai essayé de voir si je pouvais l'utiliser cette offense parce que vu que j'ai un Susano correct, ça peut être sympa, tu vois. Mais. Quand je lançais des offenses, je voyais Will, j'étais là, ok, cool. Bah non, le mec, hier c'était Noël, j'ai pas rush. Hein. Non, j'ai repas Noël hier soir. Je l'ai pas ce mini, mais j'en ai un ce soir par contre. Donc non, hier j'ai pas rush. Hier, je pense qu'il y avait personne qui a rush. Hein. Hier, c'est le jour pour faire un record si vous êtes disponible.
Je pense. Hein. Pourna, Annabelle Front et Théomar Starkolin pour Rift Dark, c'est bien. Annabelle a rien à faire ici en fait. Malheureusement. Le panda a rien à voir en fait. Je pense que j'aurais mis Colin et Panda devant. Et derrière j'aurais mis Théomar Thor a rien à faire ici en Rift Dark, y a pas d'initiate. Après il tape fort j'avoue. Non non, j'aurais viré Thor. Etna c'est hyper bien par contre. Enfin Annabelle elle est pas ouf là tu vois là. Enfin, pour moi c'est le vent le plus facile de Rift. Peut-être que je me trompe, hein, ça dépend des monstres en fait. Si t'as plein d'AOE haut par exemple, le feu est très facile aussi tu vois. Ça dépend de tes monstres un peu, mais de manière farmable je pense que le vent est le plus facile. Parce que Ardella tu vois, le monstre derrière c'est un tronade farmable. Tu peux aussi remplacer bien sûr la chimère qui est à gauche là par n'importe quoi d'autre en fait. Un Tark ça passerait aussi. Shazoon Bernard, enfin je pense qu'il y a plein de solutions possibles en fait sur le vent. Sur le haut, sur le haut. Je parle de vent, désolé. Ouais. Je confonds un peu les trucs parce que je pense au monstre vent sur le donjon haut et j'inverse les deux. Ouais, je parlais du haut depuis tout à l'heure en fait. Hein. Je parlais du haut depuis tout à l'heure et cherchais des monstres vent. Du coup mon cerveau il a derp de ouf. Bon encore, il faut encore que je le fasse deux fois, sérieux. Et le vent, par contre, le donjon de vent, il est galère. Voilà. Le donjon de vent, il est galère. Pourquoi je ferme ce rift? Pour crafter les pierres de réévaluation qui sont hyper importantes en fait. J'ai des pierres à des runes à réévaluer. Dont la rune en 6 sur mon Verad qui est bof. Et j'attends qu'il y ait qu'à proc bien en speed et def en sub en fait. Avant de la meuler. Mais jamais, le haut il est pas galère, mec, il tape pas le... Enfin, désolé, je me suis un peu énervé. Mais. Le monstre haut, c'est celui qui fait le moins de dégâts en fait. Il gèle les PV là, mais il fait pas de dégâts. Donc si tu tombes le boss avant qu'il tape, hein, il se passe rien. Ah, si t'as pas Shazoon. Mais au pire, tu mets Shannon. Je sais pas, enfin. Tu mets Bella. En front, tu mets Bella, Shannon, Bernard, ça passe. En vrai, je suis sûr, ça passe. T'as buff attaque 3 tours et t'as un buff def en plus. Non, je suis sûr, ça passe, mec. Bella Déon devrait suffire à soigner tout ça. Et derrière, tu mets 3 DPS, ça passe. Salut Medevia, joyeux Noël. Et oui, je l'ai eu il y a 3 jours. 3 ou 4 jours? Peut-être 4 maintenant. Bernard, Bella, Shazoon. Alicia, elle est nulle. En vrai, enlève Alicia. Arang, c'est un super monstre. Lucian, c'est pas ouf. Ça peut faire des dégâts, mais c'est pas ouf, honnêtement. Parce qu'il a 2 AOE et les AOE font pas tant de dégâts que ça en fait, vu qu'il y a qu'un seul monstre. Mais en vrai, ta team elle est vraiment bien, sauf que tu enlèves Alicia et Lucian en fait. Foucault c'est bien, ouais. Bastet c'est bien, R4, ouais. Etna en Rift O. Ouais, ça doit être bien en vrai, t'as un break def, t'as un très gros sort 3. Ça doit marcher, ouais. Etna, ça doit marcher. Y'a beaucoup de questions. Avec Eshir et Jultan. Aucune idée. Orion. Orion, Zodiac, que j'aurais mis moi. D'instinct, tu vois. Un truc aléatoire en fait. Tu mets lead Jultan pour un lead speed, Orion, et après tu mets Eshir et ça marche nickel, je pense. Lead Jultan, Orion, Eshir. Ouais, ça. Le barbare vent il marche très bien aussi. Mais moi je préfère Bernard en fait. Je peux mettre du coup. Le barbare vent. Juste en fait, c'est qu'il faut un frontline en plus, tu vois. Et mon Bernard est plus tanky que mon barbare avant. Et du coup ça passe mieux en fait. Il meurt pas mon Bernard tu vois. Donc je préfère mettre ça. Et en plus Bernard il y a un break def qui est pas mal. Vu que je suis un peu short en break def. Combien j'en ai là? J'ai fini ou pas? Non, ouais, encore un run putain, fais chier. Allez plus qu'un. Père, je vais vous montrer avec le Resvelg. Ma frontline elle meurt en fait après. C'est lui qui tient ma frontline. Donc je vais pas le faire en fait. Ah mince, trop tard pour l'état de mon Bernard. En fait, mon Bernard, il est chelou. Il est chelou, il faut le dire, il est chelou. Parce qu'il est en speed,
PV flat, défense flat. Donc voilà. Première team MB10. Bah. Ah, je sais pas trop comment ça évolue maintenant. Qu'est-ce qui est la méta MB10 maintenant au début? Je redis panda feu, c'est fermable. Colline. Putain, j'ai un bug cérébral en fait. Après tu mets Belladéon au pire et 2 DPS. Panda feu colline. Belladéon et 2 DPS. Mais là c'est vraiment une team qui mettra du temps tu vois. Mais en vrai sinon c'est les liches en fait tu vois le. Si t'as un Foucault, si t'as un Rigel, ça passerait quand même. La piste ça peut marcher, mais pas tant que ça. Il y a beaucoup de multites, ça peut marcher, mais au boss vu que la réduction d'attaque ne marche pas. Après elle fait quand même pas mal de multites, elle fait Pardon. Ça peut marcher ouais en vrai. Shazun, Bernard, Bella, Osbeck, Teoxiolin. Ouais ça passe hein, Kuroking ça passe ça. C'est sûr ça passe. Bah ouais Wissam ça passe hein. T'as jamais essayé ta team là que tu dis là Wissam? Avec tes chars et Faye, ça devrait marcher hein. Après moi j'aime bien Ardella parce qu'elle tape fort et elle met un break def sur le sort 1 en fait. Et le break def sort 1 est plutôt pas dégueu. Ouais par contre les liches sans skill up en necro c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible honnêtement. Voilà, c'est fini pour le haut, maintenant on stack au vent, qui est le plus relou. Ah, on m'a demandé tout à l'heure mon Bernard, il est comme ça du coup. Bon Bernard il est comme ça. 311 de speed et il a vitesse ici, PV flat, vous voyez, et défense flat. Voilà. En Swift Broken. Alors, où est-ce que c'est? C'est... excuse-moi, je suis parti dans la vraie vie, en fait, l'IRL. Je fais des recherches sur mes infos des bus. Voilà, je vous dis tout. Là, je vous ai tout dit, les gars. Je regarde les bus, là. Pour partir d'ici. Je ferme les rites pour crafter des pierres de réévaluation. Si j'ai le permis bien sûr, mais en fait je suis en centre-ville en fait, bah j'ai pas pris la voiture en fait, je prends pas de voiture ici, ça sert à rien. Je galerais trop en fait à me garer en fait. Et Bordeaux c'est pas une très grande ville en fait, y'a pas besoin de vraiment de voiture tu vois. Donc deux fois je prends le bus, je prends le métro, le tram plutôt. Payer un parking, enfin j'ai pas de parking en plus là où j'habite donc voilà voilà.
Oh nice. Je suis trop content. Amen. J'étais débile, j'avais tout gardé pour une heure plus tard. Il faut faire combien pour farm les pierres? Il faut que tu fasses au moins S sur une de tes teams en fait. Il faut que tu aies un donjon sur lequel tu fasses S et comme ça tu auras les pierres blanches en fait. Je crois que c'est les pierres blanches, ouais. Et du coup, il faut que tu choisisses bien ton donjon sur lequel tu arrives et après tu farmes celui-là en fait. Tu farmes même A sur les autres, ça suffit en fait. Ça va coûter un peu plus cher en cristaux, mais c'est tellement important les pierres de Réval que tant pis, tu vois. Mais il suffit juste d'une team qui fait S en fait. J'ai pas regardé combien j'avais de pierres jaunes en fait. Parce que je pense que je vais devoir faire bien 5 ou 6 runs de ça en fait. Daphné dans le donjon? Ouais. Tu vois? mon enthousiasme. En fait, je préfère Kali hein, pour ce donjon. Honnêtement, si tu dois prendre un truc. Comme Daphnis prend Kali à la place. Le buff speed, plus le buff attaque supplémentaire et tout, aura plus d'impact que les DPS un peu de l'ami Daphnis. T'es sérieux, c'est pas mal en vrai, pour ça. Wekars pour rééval les runes héroïques 6 stars, 6C des 2-4-6 sur un set qui vraiment est important, tu vois. Genre s'il faut réévaluer la rune... PV de violente en 4, tu vois, par exemple, pourquoi pas pour avoir un peu de speed, mais pas trop, quoi, quand même. Merde, j'ai pas regardé, putain, tant pis, je regarde au prochain. Ah, il y a une question que Tessariel a posée que j'ai pas vue. Un Avel en Rift Feu, c'est good? C'est sympa, ouais. C'est sympa, mais c'est pas non plus si ouf que ça. Parce qu'elle tue pas les invocations avec son sort 3 en fait. Donc c'est un support en plus. Donc c'est juste. Tu la prends pour le support quoi, pas pour autre chose. Chino, j'avais en fait comme projet de tester vraiment, tu vois, de voir si mes teams avec des runes fight profitaient du set fight. Mais en fait c'est dur à vraiment tester. Il faudrait vraiment que tous les monstres aient du fight quasiment pour voir si. Elle passe avant team 1 par exemple, et j'ai pas poussé le vice jusqu'à là en fait. Donc je peux pas vraiment te dire à 100% si oui ou non. Je pense que non, mais j'en suis pas sûr en fait, tu vois, donc voilà. Salut Yukirox, et salut I am the only one on Earth, et je viens dans la toi aussi. Eh bah bon, ouais. En vrai moi j'ai joué à Navel au début, hein, quand j'ai fait le Rift of Feu, la première team que j'ai faite. Je vois ben je m'annabelle, tu vois. Ça a marché, tu vois. Je dis pas le contraire, hein, ça a marché. Et après, si ça écurise ton raid, faut juste que t'aies un truc pour tuer bien la troisième vague des ads. C'est juste ça, en fait. C'est juste ça. C'est un peu long, le rift, hein. En plus, vu que c'est en automatique, j'ai rien à faire. C'est un peu ennuyant, du coup, de stream ça. T'as plus peur d'avoir des doublons et frites? Non, je fais pas des frites moi.
Merde, je vais perdre là, je crois. Ce run, je vais le perdre là. Ouais, je vais perdre ce run. Non, Juno, je la joue pas. Ah, j'avoue, un Avel la piste, ça peut marcher, ouais. Bien vu ça. Regarde combien il te reste parce que je vais pas finir ça en fait, sinon c'est un peu relou. Il me reste à crafter. Oh, j'ai fait que la moitié. Bon, en vrai, ça devrait pas être très long. Et si par miracle j'ai ma rune qui se révèle bien, c'est la folie. J'ai deux verres mystiques. Oh my goodness. C'est la folie, mec. Mais au final, il y aura eu de la semaine. C'est un truc de ouf. Bon, rien eu, ok. J'ai eu le seum. La dernière rotation de World Boss, j'ai fini donc deuxième. Et le World Boss avait 1% restant à 23h en fait. Et je me suis dit, putain, ça se trouve à minuit, si tu es le premier, le boss va mourir et je serai légende et tout. Sauf que, ben non, en fait, il était dans la même mentalité que moi le premier. Et du coup, il l'a fait direct à minuit. Et en plus, le World Boss est mort à 1h, un truc comme ça. Enfin, j'avais trop le seum. En gros, si j'avais attendu sur cette rotation-là, j'aurais peut-être fini premier, tu vois. J'ai un peu le seum, du coup. J'ai un peu le seum. Un peu. Un peu, hein, juste un peu. Mais Yuan, j'utilise que en raid et en rift. Désolé, j'ai pas vu ta question tout à l'heure, Mams. Moi, je vais sniper Psamad dans les pierres dans 3 semaines. Non, mais Zirfi, voilà. Zirfi, il est toujours premier. C'est la vérité, c'est comme ça, il est premier, tu fermes ta gueule. Et juste, j'espérais qu'il puisse soit pas dispo à minuit en fait, tu vois. Je me dis, ça se trouve, allez, c'est la veille de Noël. Non, c'est avant la veille de Noël, c'était le 23 du coup. Ça se trouve, il est pas là, je sais pas. Peut-être qu'il est occupé, peut-être qu'il dort. Tu parles que dalle. Salut Inox, ça va ou quoi? Frégate, il est OP as fuck, il est trop cool. C'est 2,5 millions pour faire S. Est-ce que je préférais Psamat à Sierra? Je suis pas sûr. Honnêtement, je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout. Crois-tu que t'as encore un step-up à faire en Warboss? Ah oui, j'ai vraiment encore progressé. Hein. De toute façon, là, il y avait Rad qui va être skill-up, qui va venir dans ma team. Mon Galion numéro 3, actuellement, il est en dernière place de la team 3, mais il va monter, je pense, dans le milieu de team 3 bientôt, parce que je vais changer les runes. En fait, au prochain free rune, je vais changer mon Galion numéro 3. Ma Lumière aussi, numéro 2, va passer team 3 aussi. Donc, j'ai un truc à faire en Warboss. Je pense que je vais atteindre les 6 millions 100 par jour, en fait. Tu vois. Et, mais ouais, j'ai encore un petit step-up à prendre en Warboss. Juste, ça demande du temps quoi. T'as vu, ouais, ça a changé, Enyox. Enyox Gregor, ça a changé. Hein. C'est plus que c'était. Hein. Et ouais, c'est cool, du coup, c'est cool. Et toi, tu viens quoi, gros? Ah ouais, Zirfi, en fait, exemple, il a plus d'unités World Boss et il les a bien ruinées. Enfin, ouais, c'est tout. Hein. En vrai, c'est juste. À qui a le plus de 4 nats haut et 5 nats haut runés en fait, tu vois. Moi j'ai ma deuxième Julie aussi qui est pas full skill, enfin lui il a les 4 nats et 5 nats, ils sont déjà skill up, donc forcément il est devant quoi. Mais il a beaucoup d'avance hein, par contre, hein. Il a vraiment beaucoup d'avance. Hein. Mais en fait le truc c'est qu'il progresse en même temps. Encore s'il stagnerait je finirais par le rattraper, mais son score moyen il progresse tout le temps donc... Enfin là il a fait une moins bonne semaine que la semaine dernière, j'ai regardé. Peut-être qu'un jour je le rattraperai, tu vois. Mais je pense qu'il a bien 55 mob haut dans ses teams, je pense. Un truc comme ça. Même non, pas sûr, j'en sais rien. J'aimerais bien voir ses teams en fait. Je devrais le contacter, lui dire mec, envoie-moi des screens de tes teams. Que je m'inspire. Peut-être, je pense qu'il a juste pas de 3 nats en fait dans ses teams. Parce que moi j'ai beaucoup de 3 nats. J'ai fait le compte l'autre jour. J'avais fait le compte, je crois que j'avais genre 34 4 nats haut dans mes teams hors boss. Et que j'avais 15
Non, je vais avoir 24, ouais, plutôt. 24, ouais. 24 4 nat haut et 13 3 nat haut, je crois. Ah, je sais plus, il faudra que j'aille vérifier. Je sais plus combien il y en a. Mais beaucoup. Salut, Optimum. Optimum Mundi. T'as repris le jeu. Bah... T'as repris le jeu. Pra, Perna et tous les 4 nat. C'est un beau gosse. C'est plaisir, ça, non? Ça a dû faire plaisir pour un retour. Surtout le Perna, tu vois. Le Perna et les 4 nat qui te manquaient, surtout. Ouais. Enfin, en fait, tout, en fait. Ouais, tout, tout est bien. Ouais, je lui demandais. Ouais, gros, tu veux pas faire le boss, s'il te plaît? Allez. Allez, dis oui, dis oui, dis oui, dis oui, dis oui. Il caresse, c'est vachement fort, The Kinder. Désolé, je réponds en retard, mais ouais, carrément. La Leech Light, ça, hein, c'est relou, ce monstre. J'avais fait une team tout à l'heure qui devait la passer en siège, mais il a eu la chance sur les procs d'Esper, le truc. Et c'est fort, hein, non, c'est fort, la Leech Light. Tu la mets juste en PV, je sais pas, triple PV, en vrai, triple PV. Pas mal de res si tu peux. Et le mec qui l'a mis en Desper là, c'était pas mal, hein. En vrai, ça m'a bien saoulé. J'ai perdu juste parce qu'il m'a stun les monstres au bon moment, en fait, ça m'a saoulé. Itos, si je devais avoir 3-5 nat élémentaires, ce serait Ciara Molong. Et le troisième, je sais pas. Je sais pas si je veux temp Samat que ça en fait, tu vois, je suis pas sûr. Temp Samat. Mais sans être sûr, tu vois, c'est, j'hésite là, tu vois. Moi, je t'en trouvais mon Mayuang après. Peut-être Perna, ouais. Seram, c'est une bonne idée, ouais. Peut-être Perna. Ah, Ritesh, non, c'est bon, les gars, c'est bon, je sais. Je veux Ciara, Molong, Ritesh. Voilà, c'est ça mes 3 sacs natés, les moins, c'est-à-dire que je veux. Ah, désolé. J'ai peut-être un peu craché dans le micro. Désolé pour ça. Non, mais pour moi, c'est... Faut que je prenne un truc anti-pop, là. Donc, en gros, ouais, c'est Ciara, Molong, Ritesh. Ah, voilà, ouais, ça paquait, c'est ça, ouais. Je veux ça, je veux Ritesh. Ah, Chibi, joyeux Noël à toi, ça va ou quoi? Ouais, mon soir farm est privé, désolé, apprenti ma boîte. Après, est-ce qu'on s'en foutrait pas? Mais après, c'est ça, question en combat d'occupation. Quand je joue de guilde FR, ils vont juste aller voir mon soir farm, tu vois, c'est chiant. J'ai pas envie de donner mes stats à ce point-là, tu vois. GG pour Ritesh Hosen. Au final, le stream aura duré beaucoup plus longtemps que prévu. Bon, au pire, c'est pas plus mal. On est combien d'ailleurs sur le stream, là? Pumbek, ouais, je joue en Arter. Je joue beaucoup Pumbek en Arter. Ça marche bien. C'est un cadavre. Merde, je vais perdre ce run, je crois. Enfin, si, c'est sûr, je l'ai perdu. En vrai, je manque un peu de soin dans ma team. Combien j'ai de. En fait, il faut que je fasse un run qui fasse 15 pierres. Ok, un run qui passe 15 pierres, ok. Non, elle est trop squishy, elle va mourir en un coup, je suis con. Allez, fais triple S. Ouais, un Perna, ça serait pas mal, hein. Mais j'en ai pas besoin tant que ça de Perna. Y'a que le Rift Vent sur lequel des fois je perds comme ça, mais... Après, c'est bien Perna quand même, hein. J'avoue que c'est bien Perna quand même. Mais c'est pas le truc que je veux le plus.
Vivaciel pour un débutant? C'est pas vraiment un monstre débutant, tu vois. C'est hyper fort en GVG, en RTA, mais... Je sais pas. C'est pas forcément ce dont t'as besoin au début, en fait. C'est cool, hein, mais bon. Moustuche, je te conseille... Enfin... Je vais re-upload, tu vois, ce stream sur YouTube dans environ une heure et quelques. Dès que c'est fini, de toute façon, je l'upload sur YouTube. Le temps de l'upload, ça va être quoi? Ça va être les 40 minutes, un truc comme ça, tu vois. Le traitement, ça va être 20 minutes. Donc en gros, dans une heure et quelques, il y aura ce stream entier qui sera sur YouTube. Et tu pourras voir les combats de RTA que j'ai fait, en fait. Et tu verras ça, en fait. Sinon, je peux t'expliquer, mais peut-être tu verras pas forcément. En gros, je joue Tiana Galéon avec. À un moment, j'ai pas Tiana, ça marchait quand même. J'avais fait Orion Galéon, ça marchait aussi. En gros, je fais une équipe assez classique avec Lucien, Pumbek, Tiana, Bastet, Orion. Mais en vidéo, ce sera mieux peut-être, tu vois. Non, mais ça va, non. Il est toujours dans ma wishlist, c'est sûr, hein, je le veux. Mais c'est pas le monstre que je veux le plus maintenant. Tu vois, c'est un peu comme. Tu sais, t'as un crush sur une fille, mais ça passe pas pendant des années, tu vois. Et ben ça s'estompe, tu vois. Tu dis non, tu tournes la page, voilà. Mais c'est un peu ça avec Psamat, tu vois. Genre, je me suis un peu. Ben voilà, j'ai tourné la page, j'ai compris que je l'aurais pas, et puis voilà quoi. Même logique, tu vois. Xingze, c'est sympa. Moi, j'arrive pas à l'utiliser parce que je l'ai pas assez bien ruiné. Mais j'ai vu des Xingze me défoncer en fait. S'il est très offensif tout en étant un peu tanky, c'est hyper relou. Que penses-tu d'une défense Vanessa, Lucien, Ariel, Camille? Pourquoi pas? Pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? Mais le truc, c'est qu'il faut juste que. Je sais pas, ça se fait reset, tu vois. Mais après, c'est un peu extrême ce que je dis, tu vois. Mais... Pourquoi? En vrai, pourquoi pas, hein. Ça peut marcher, tu vois. Je sais pas à quel point ça marche, ce genre de défense. Putain, j'ai encore perdu, là? Sérieux, je... Ah non, j'ai gagné, mais tout juste, quoi. En vrai, je sais pas, je suis assez perplexe là-dessus. Faut juste, bien sûr, que ta team ne meurt pas, en fait. Putain, il me manque deux pierres, les gars. J'ai eu 13 sur 15, il me manque... Encore un dernier run les gars et je fais mes pierres de rival. Faut juste par contre que personne ne meurt sauf son Lucien, ouais. Mais ça peut marcher. Ça peut marcher. Et salut à Agnatué. Et joyeux Noël à toi aussi. C'est rare les galions en gardien? Non, pas du tout. Tout le monde a Galéon quasiment en gardien. Enfin, pas tout le monde, non, pas tout le monde quand même. Je dirais bien 90% des gardiens ont Galéon. Et je pense pas trop me tromper sur le 90%. Ou alors, c'est qu'ils ont une défense de gros porc et ils ont pas Galéon et ils font autre chose, ils font que du Lucien, tu vois. Mais sinon, pour être gardien sans cleave avec Galéon, c'est un peu tendu. Il faut du double Lucien tout, du coup. C'est pas évident. Ou bombeur. Ah non, il y en a qui ont pas Galéon, ils bombent en fait, j'avoue. Non, en fait, donc ça doit être moins 90%, j'avoue. Pas forcément. Soit tu Lucien, soit tu bon, soit tu cleave avec Galéon. Tu joues depuis combien de temps? Eh ben ça fait 3 ans que je stream, que je joue, rien à voir. Ça fait 3 ans que je joue à Summoners War. Et 1 an et demi que je stream. Putain, 3 ans sur un jeu mobile, hein. J'aurais pas cru, hein. Ça dépend de tes monstres Funak. Enfin, Funiak plutôt. Y'en a qui avaient ni Galéon ni Lucien. T'as fait gardien sans Galéon ni Lucien, Herbacha, sérieux? T'es sérieux? Comment t'as fait? Attends, qu'on parle, mec. Sérieux, t'as fait gardien sans Galéon ni Lucien? Beau gosse. Salut Dobakil. Et toi? Joyeux Noël. Air Server, j'utilise AST et OBS sur le PC pour tout ce qui est interface, tout ça quoi. Alpha, c'est fort. C'est même relou en fait. Honnêtement, c'est relou. Allez, c'est bon. Je vais enfin pouvoir rééval cette rune sur Vérad là. Et je vous le dis, hein, je veux
comme Herbacha qui a eu une rune dégâcrite avec 26 speed en somme en violent, j'ai le seum. Il a eu ça lui. Je veux du coup moi un truc avec genre, allez, 24 speed et 16% défense sub. Voilà, je suis même pas exigeant. Je veux juste 24 speed et 16% défense. Voilà, c'est la rune que je veux en 6 sur mon Verad. Voilà. Allez. Cette rune légendaire là, il faut qu'elle se rééval en un 24 speed, 16% défense. Let's go. Super. Oh, elle est pas dégueulasse en fait. Malheureusement, elle est pas dégueulasse en fait. Elle est pas dégueulasse en fait. C'est juste que c'est pas une rune pour Verad en fait. C'est pour un autre bruiser en fait. Merde, je suis un peu déçu. Parce qu'il me faut une nouvelle rune pour Verad en fait. Et merde. Bah au pire c'est pas grave, je la laisse comme ça et je prends une autre rune en fait. C'est tout hein. Ouais, je vais faire ça. Hein. Je garde celle-là, tant pis. Hein. Tant pis, Verad. De toute façon, Verad, j'allais pas prendre cette rune, je crois. J'allais prendre la rune qui était sur Belladéon. Elle est pas dégueulasse, hein. Elle est pas dégueulasse, cette rune, en fait. Je m'attendais pas à ça. Là, je mettrais genre des dégâts crit. Et ça fait une super rune pour un bruiser, en fait. Je mettrais ça à 7-10%, là. Mmh, pas dégueulasse, pas dégueulasse, pas dégueulasse. Ben je vais réévaluer autre chose alors. Je crois que j'ai une rune défense pourcent en will légendaire. Ah non, est-ce qu'elle est légendaire celle-là? Je suis pas sûr. Je crois que non, elle est héroïque celle-là. Non, elle est héroïque. Il y a un procto crit et deux dégâts crit. Donc non, c'est héroïque ça. Mes objectifs dans Summoner's War à plus ou moins long terme. Finir légende en boss. Voilà. Rabat par vent, c'est hyper fort. Slick. Voyons voir, qu'est-ce que j'ai du coup. En violent, je crois que j'en ai pas une légendaire à rival. Ah, si, j'ai celle-là. Mais est-ce que j'aurai assez de mana pour la mettre plus 12? Je pense pas. J'ai deux runes légendaires défense. Et je les ai même pas montées. Je suis vraiment un escroc. Je suis vraiment un gros escroc. Bon, on va les monter. Il faut qu'elle passe plus 12. Allez. Ah, j'aurais passé de mana, tu sais. Sur qui je mets la rune bruiser avec 25% TCC là. Il me faudrait un truc qui est pas spécialement rapide parce qu'il y a que 5 speed dessus. Xingze par exemple. Ouais, pourquoi pas Xingze. Réfléchis, un autre bruiser. Ah, le Grégo. La Lich Dark, ça serait pas mal pour lui ça. 21 TCC. Merde, il manque juste. Casse-toi les skins. Ouais, toi, ça ira sur ma Lich Dark. De toute façon, j'allais réévaluer les gars, hein, les runes là. Elle me plaisait pas. Une rune défense pour 100. Donc ça va forcément sur un monstre, soit un peu nuker défense, soit Ah non, ça aurait pu aller sur Fengyang aussi. Enfin, en gros, je voulais de la speed. Parce que je veux runer Verad à 230 speed, donc il fallait qu'il y ait genre 20 speed. C'est mon but, il faut qu'il y ait 20 speed, sinon je la vends. Salut RMS, ça va ou quoi? Joyeux Noël. Et joyeux Noël toi aussi, Brentara, merci. Putain, il est 16h, j'ai pas encore bouffé. J'ai faim.
Quel élément des Dames de l'Enfer? Bah, la Dark. La Dark, elle est trop stylée. Putain, Galéon, tu pues du cul là. Bon, c'est passé quand même. En vrai, je dirais. Un petit 200 speed. Enfin, 195 speed, allez. Une valeur qui est sortie de comme ça, de mon chapeau, comme ça. Kinder, hein, je parle de Galéon là. J'espère qu'elle va pas être roue, la rune à passer plus 12 en fait. Hein. Bess, bah je l'ai. Je la trouve bien, mais j'ai Alicia. Donc voilà. C'est un peu différent parce qu'elle break dev, je sais, mais. Je vois pas de situation où je jouerai Bess à la place d'Alicia. Mais ouais, Wissem, ouais, on a eu pas mal de nouvelles têtes dans la guilde hein, ces derniers temps. C'est pas mal. Ouais, Sokira, ouais, ok, ça fait. Ok, Sokira, mais c'est quoi, je vais couper le stream maintenant parce que tu m'as fait. Tu m'as mis en seum là, tu vois. Mais je veux réévaluer ces runes avant de couper le stream, tu vois, c'est juste ça que je veux faire en fait. Allez, passe plus 12 en un coup, s'il te plaît, comme ça on en parle plus. Allez, hop, s'il te plaît. Nick, ma maman. Oh, c'est chiant le mana, sérieux. En vrai, les gens pensent que je vais couper le stream. Parce que. Parce que voilà quoi, ça se trouve, j'ai passé une heure de farm avant de la passer plus 12 quoi. Des gemmes, genre? Comment ça, des gemmes? Je sais de quoi tu parles quand tu dis gemmes. Asima, c'est hyper fort. Ouais, avant ça marchait. Enfin, avant je tapais des mains. Avant je faisais ça, je faisais pas claque des doigts, je faisais un petit tapage de main et ça passait. Ouais, mais c'est que Dini. Ah, Guildmate, ok, d'accord. Je crois que tu parlais de Guildmaster. Il faut des manas, mais c'est 10 000 de mana donc au pire, c'est pas très grave, tu vois. Pra, c'est fort en défense d'arène. Et même pas qu'en défense d'arène, c'est aussi fort même en RTA, c'est aussi fort en GVG, en défense de GVG. Mais en vrai, de toute façon, je vais être attendu ailleurs là. Je vais faire mes 50 000 de mana. Et si elle passe pas, tant pis, je vais couper le stream parce que je suis attendu ailleurs après. Après, je vais bouffer un truc, me doucher, etc. Et après, je serai sur le départ. Donc voilà. Et je reviendrai en stream du coup les gens demain soir. Le créneau du mardi soir à 20h. Vendre des runes pourries. Oh là, Tanix. Ça, je l'ai fait à l'infini, à l'infini, à l'infini, et à la... maintenant, il n'y a plus trop de runes pour une inventaire. J'ai vraiment même vendu des runes bien, même. Des fois, j'ai dit, oh, celle-là, je la vends, c'est pas grave, allez. Vraiment. Je suis tellement toujours en déj de mana que, voilà, je vends des runes. Que je drop, puis dit, elle est bien, celle-là, ouais, mais après tout, j'ai déjà mieux, ouais, là, je la vends. Il n'y a pas de summon XD. Alors, est-ce que tu joues au même jeu que nous, en fait? Summoner Nobby. Parce qu'en fait, le jeu ne consiste pas juste à invoquer comme un tard en fait, tu vois. Enfin, je le dis au cas où, peut-être que tu t'en as pas rendu compte, mais la plupart du temps dans le jeu, en fait, tu fais d'autres choses qui n'ont rien à voir avec Summon en fait, tu vois. Double mana, ouais, bah je l'ai fait, hein. Juste que bah, j'ai déjà dépensé mon mana. Yes, ok. Il me manque plus du coup que 13 000 de mana, enfin 12 500 pour être exact, et je peux faire les deux pierres de rival là-dessus. Alors, prendre de l'énergie. Histoire de pas refil. Ouais, je sais, Boldery, je sais, ouais.
suis pas un vrai streamer de Summoners War, je le sais, je le sais, je le sais. T'as pas un conseil pour drop du mana pendant le mana? En fait, c'est simple, tu fais ton donjon de Kairos le plus rapide. Genre du GB10 au pire si tu veux. Moi, je fais des B10 parce que comme ça j'ai des runes sympas. Alors que je devrais faire du GB10. En vrai, je devrais faire du GB10 parce que j'ai besoin de runes GB10. Mais vu que je suis un débile, bah, je fais du DB10. En vrai, fais du GB10, les gars. Ça va vite, il y a des runes bien à drop et le mana est sympa. Pour une fois, le mana est sympa en GB10, donc autant le faire. J'avoue, Chibi, j'avoue. Tu sais, je confonds les jeux et tout. J'ai fait que jouer sur un jeu un peu stratégique, enfin, j'ai confondu les jeux. Ok, c'est bon. Normalement, à moins que j'ai des composants de craft de runes, je peux crafter les runes. Genre, tant que j'ai pas genre 8 trucs rouges là. Ok, c'est bon, je peux crafter ma rune. Enfin, réévaluer ma rune plutôt, excusez-moi. Alors, est-ce que le beau jeu est là? Est-ce que le beau jeu est là, please? Please. Please, 24 speed, 16% HP. Oh. Oh, c'est pas mal ça. En vrai, c'est pas mal. Hein. Les gars, tout ce que je fais là, je mets de la speed sur la, cette rune là. Convertis ça en 5-8. Que je meule. C'est pas dégueulasse quand même. C'est quand même pas dégueulasse. Hein. Le 29 speed en sub là. Je pense que je vais le laisser comme ça. Hein. Je pense que c'est pas dégueulasse là. Je pense qu'on est sur une rune de type plutôt sympa. Je pense que je vais la garder comme ça. Je meule le truc. Ok, bon, on va réévaluer une autre rune. C'est pas grave si elle a pas de speed. J'ai plein de runes, mec, qui ont pas de speed à la base. Hein. Je te montre par exemple. Allez, une rune qui est sur un Navel. Celle-là, tu vois, elle avait pas de speed à la base. Et j'ai réussi à m'en sortir, tu vois. C'est pas très grave s'il y a pas toujours de speed. Juste, ça montera pas à des montants comme 18 speed quoi. Mais ça peut monter à 12, 13 speed et c'est déjà pas mal, tu vois. Enfin, plus 12 que 13 d'ailleurs. Voyons voir. Maintenant, qu'est-ce que je vais réévaluer? Deux secondes, les mecs. Je vais voir ce que je peux réévaluer, mais. Il me faut une rune qui est déjà plus 15, genre. Ah, mais en vrai, je sais. En vrai, je sais, les gars. Je sais que j'ai meulé en défense plat cette rune là. Mais je me rends compte que cette rune ne me sert à rien en fait. Elle est légendaire aussi. En vrai, elle me sert à rien. Je me dis, en vrai, autant la réévaluer. Parce qu'un Nuker Def, il n'a pas tant que ça. Et il y a pas assez de speed en fait, pas d'HP pour Verad. En vrai, je vais la réévaluer. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le fais, je vous donne pas votre avis. C'est meulé, c'est pas grave. Allez, 24 speed. Pas du tout. Bon, je la garde comme ça. Tant pis pour bien de réval. Tant pis, tant pis. Voilà, c'était comme ça. Tant pis, tant pis. On me demande d'attaquer les rouges maintenant. Bon, ben, j'étends le stream encore un peu. On va attaquer les rouges. Ok, bon ben allez, je vais finir mes trucs. Hein. Putain, le stream qui est genre à l'infini. Il me reste que 9 monstres, donc en fait ça va être assez rapide. C'est assez rapide. Allez, je vais taper. J'ai pas utilisé mes 5 nats en fait, donc je vais taper les trucs 5 nats. On va taper ça. Est-ce que j'ai encore mes pandas tout ça là? Ouais, j'ai Fengyang et j'ai mes deux poneys. Allez, je tape la. 6, 10, 12, ok. Non, j'ai tapé la 12. Non, j'ai fait un sacnat, la 10. Alors, J, 10, T, 1. Alors. De toute façon, les gars, ça va être rapide. Hein. Là, c'est juste 3 combats, donc. Et je crève la dalle en plus. C'est pas sans exagérer, hein. Je crève la dalle. Mes deux poneys. Let's go. C'est le bon? Est-ce que c'est le bon? C'est la question du jour. Ouais, c'est le bon.
Bon, là, il faut que Ritesh s'énerve pas trop sur ma Amelia. Mais normalement, ça passe. Ok, c'est bon. À partir du moment dans cette team où on tue Molong, ça passe. Parce qu'en vrai, il faut un truc pour tuer mon Fengyang. Et c'est tendu de le tuer quand même. J'allais me dire, tiens, peut-être qu'il va rester stun et qu'il va pas proc. Ben oui, quelle bonne idée. Quelle naïveté surtout. Et ouais, en vrai, ouais, je mets toujours cette team contre cette team là en fait. Parce que bon. Ritesh, Molong, Perna, c'est vraiment une putain de défense. Et pas prendre de risque, ça va prendre un peu de temps là parce que bon, voilà. Mais ça perdra pas. En vrai, cette team ne peut pas perdre contre ça. À moins bien sûr que le Ritesh il décide vraiment d'être totalement débile, mais même pas, c'est pas possible. Crève. Oh, j'ai pas tué, sérieux. Eh, mais oui, joyeux Noël, dude. Je stream depuis tout à l'heure en fait, pour les gens qui, eh ben, comme moi, n'avaient rien à faire le midi. Et ouais, ouais, exactement, vidéo killed. J'ai dit, bon, bah, je vais stream. J'avais un repas hier soir et ce soir, entre temps, j'avais rien. Donc voilà, le midi, j'ai stream quoi. Plutôt prendre Transbox Sylvia ou Chazoom des plages. Bah Sylvia mec, hésite pas une seconde, t'as un sac Knight Latin Dark, qu'est-ce que tu veux, c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème qui est unique, tu veux qu'on se batte? Non, en vrai. En quoi est meilleur que Wusa? Cleans buff def en fait. Le buff def du coup va augmenter les dégâts de mon Fengyang. Et cleans si ça part en couille, tu vois. Tu vois? Voilà. Je vais taper qui maintenant? Oh, il y a la même. Ah, comment est-ce que je tape deux fois cette défense? J10... T2, ok. Comme en vrai, je pense simplement je fais Galion, Tina, Alissa, ça marche. En vrai, hein. Après, ça se trouve, je tue pas le Perna. C'est vrai que si je tue pas Perna, par contre, c'est pas GG. En vrai, si je tue pas Perna, c'est pas GG. Alors, on va la jouer plus safe en fait. Tac, bon, Anavel, ou ça. Après j'ai Verad. J'avoue j'ai qu'à faire, ouais exactement, j'ai qu'à juste à... Ah mon taux est mort. Ah bon. En vrai j'attends que Molong fasse le strip. Après c'est tous les 3 tours son strip, c'est tellement débile. Je fais limiter d'où ça. Ça devrait passer en fait. Ou Laika, j'avoue qu'au pire je peux jouer smart. Ou sinon ouais, je peux juste réfléchir une fois dans ma vie. Et jouer un truc qui tank le Molong en fait, genre Laika ou Ariel. Je pense que je vais faire Ariel parce qu'on joue pas assez Ariel alors qu'Ariel c'est un super contre à Molong. Je fais Ariel. Un truc qui tape. Un truc qui tape vraiment. Immacetic Hopper, j'ai utilisé tout à l'heure là, c'est ça? Les gens que j'ai utilisé Immacetic Hopper je crois. Hein. Ouais, ils sont grisés là, mon Hopper. Laika s'est OP contre Molong, mais moi il est pas assez bien, mon Laika il se fait défoncer. Il se fait défoncer de ouf. Au pire je peux essayer. C'est quoi, je vais essayer. On va essayer, on va faire Wusa, tout ça là. Ok. Mais après il y a aussi Perna qui va défoncer le Laika en fait, tu vois. Je suis pas sûr que ça marche en fait, cette team là. Contre Molong, il faut que je change quelque chose. Pour que Perna tape autre chose que Laika. Ganymede et tu restes le Perna. Ganymede, je sais pas, j'arrive pas à le jouer moi. Parce que je suis débile, hein. Je suis débile. Et tu lis Psamat. Chibi, il s'en fout, il veut juste me rappeler que j'ai pas Psamat. Il dit n'importe quoi. Et tu lis Psamat, allez, vas-y, allez, go. Tu mets Amarna. Ouais, voilà, t'as Amarna. Ouais. Anavel, c'est pas tout à fait pareil qu'Amarna en fait. En vrai, ça se lisse, bon les gars. On se prend la tête pour rien, les gars. Je le fais en rush hour tout le temps. Ça passe, ça. Allez, ça passe.
Faut juste que lui soit pas trop tranquille en fait. Vous savez même quoi, les gars? J'ai une idée. Est-ce que j'ai une idée en fait? Oui, j'ai une idée. Je laisse Molong faire son sort en premier. Il se réduit les PV. Alicia lâche avec le 3 et après il fait le 2. Ouh, Chandra, c'est pas con ça. Merci à Aniz qui me fait jouer Chandra. Et ça, j'aime bien cette idée. Let's go, les gars. On va faire Chandra, Navel, Laika. Voilà, il y a un peu de tout comme ça. Là, c'est bien. Là, il y a un peu de tout, j'aime bien. Faut juste pas qu'il se fasse trip, par contre, le shield. Mais bon, c'est le jeu, mon pauvre garçon. On va jouer Chandra, les gars. C'est le beau jeu aujourd'hui. On joue Chandra. Taux crit, comme ça, il y a un peu plus de crit. Et let's go. J'ai choisi. C'est bon. On l'a fait comme ça. Alicia sera le prochain, ok? Allez, fais ton sort 3. Putain, mais ils sont trop lents. Mais non, tu joues pas un Molong aussi lent, mec. Non. Bon, pardon. Je suis un peu le mec qui chiale, là. Mais... Putain, s'il proc, là. Ok, c'est bon. Ça aurait pas Ah, mais je suis con, je l'ai fait maintenant. C'était débile, là. Stun. C'est un peu con de faire ça maintenant, parce qu'il va strip le prochain tour, en fait. J'ai été très, très con. De type débile. Mais c'est pas grave, on m'aime bien, quand même. T'as Sylvia mais tu la joues pas. Oh, ok Yonick, non mais sérieusement. Tu sais que c'est Noël hein, t'es pas supposé dire ce genre de truc hein. Non. Restez calme. Mais il met un slow là parce que j'ai un peu peur de ces conneries là. Stun. Enfin slip. Yes. Merci Annabelle d'être là parce que c'est super sympa. Oh qu'est-ce qu'elle est cool Annabelle. En vrai c'est Annabelle la son qui carry tout le temps. Y'a pas un monstre meilleur qu'Annabelle dans le jeu, c'est pas possible. Elle fait toujours tout, elle toute seule. T'es dans la merde? Eh ben elle est là. Elle est là pour toi, tu vois. En fait, Perna, il a rien fait. Enfin non, pas Perna. Chandra, il a rien fait. Hein. C'est juste Annabelle qui a tout carry. Bon, voilà. Merci Annabelle. Bah tiens, je vais finir la base, tiens. Dame, qu'est-ce que t'as? Est-ce que je peux te Alicia? Ah, il est trop tanky, je sais, son Nyong, là. Je sais qu'il est tanky de ouf, son Nyong. Bon, Swarfrain, mais en private, les mecs. Hello, Navel. Il est en private pendant le commando d'occupation. Alors, vite fait, ma Navel, elle est comme ça. Elle a beaucoup de stats, quand même. Elle est cool. Et on m'a demandé tout à l'heure mon Chandra, je crois, il est comme ça. Et mon Alicia, moi bien parlé. Comme ça. En vrai, sa défense, elle est bien là. Alors, il faut que je tape ça. Comment on tape ça? Je pense qu'on laisse Ningong faire son buff. On clean ça avec Tiana, mais je pense qu'il est un peu lent, du coup moi tiens, je vais jouer avant. Merde, j'ai pas d'idée les gars là. C'est là qu'un Jiminy Ganymede marcherait bien, mais je l'ai pas... ruiné mon Jiminy bien comme il faut. Eh, hey, merci Humeur pour le sub. Mais moi j'ai envie de l'éclipse ces mecs là. Je sais qu'il se copper pas en fait. Ce mec là en fait, une fois j'avais essayé de le copper, il était resté en vie. Donc ça veut dire à quel point il est tanky. J'ai pas mis de lead def en fait. Il faisait, il devait avoir genre 55 000 PV, un truc comme ça, tu vois. Ah, tu as besoin d'une preuve que Lisa c'est bien en fait à Isacho. Prouve-moi que Lisa c'est bien. Merde, c'est une def 4 nat ça. D'où est-ce qu'on tape cette base là? La 6. Je crois que tout à l'heure t'as mis quoi? T'as mis 6, 10, 12. Ok, bah je vais taper la 6. Ok, on va jouer Alicia. Là-dessus. Là-dessus ou là-dessus? Bon, tout, on va faire ça. Allez, on va faire sortir Alicia. Je vais te montrer pourquoi Alicia c'est bien. Parce qu'avec Alicia, en fait, tu t'en bats les couilles. T'en bats les couilles. C'est le bon, tout bon. Allez, on fait ça. Et ça passera.
Si j'ai les break def bien sûr. Oh bordel, j'ai pas les break def, on se parle. Elles devraient tous mourir sauf Chandra. Voilà, et voilà. Et à partir de là, c'est un peu gagné, tu vois. C'est juste simple, tu vois. Un 40 000 AOE, voilà, t'as gagné. Y'a pas grand chose qui résiste à 40 000 AOE, tu vois. Et si avant ça, il y avait un mec un peu faible, j'aurais pu faire le sort 3, sort 2 en fait là. J'aurais pu faire sort 3, sort 2 et ça aurait fait plus que ça. Mais bon, ça marche, tu vois. Salut Remnatom. Voilà, Alicia c'est bien. Ouais, Alicia c'est pas mal. Et voilà, là-dessus, je crois vraiment que les mecs, j'ai absolument fini ce stream. Et voilà, pour une fois, c'est la vraie fin. Je sais que c'est triste de séparer ce jour de Noël, mais c'est la fin. Quoi, alors, on va voir mes résultats tiens, de combat d'occupation cette fois-là. En défense, est-ce que j'ai fait une nouvelle défense? 1, 2, 3 défenses réussies, ok. Pas extraordinaire, mais sympa. Celle-là qui a gagné? Ok. Et ma ninja a perdu un moment, ok. Et en offense, du coup, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 wins, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai fait 10 wins sur 11. Ce qui est correct. Pas dégueu. Ouais, j'ai ça, Enyox. Ouais. C'est vrai que là, par contre, je stream avec mon téléphone, tu vois. Mais j'ai la Nvidia Shield quand je joue. Mais j'en suis content, il est cool. Voilà, les gens. Là-dessus, ce stream s'arrête. Je vais reprendre ma petite vie IRL, là. Je vous souhaite un joyeux Noël. Et à demain soir, pour les gens qui seront là. Salut. Je vais mettre ça.